Salut à tous, bienvenue, nouvel épisode de Baldur's Gate 3 avec Arnaud, j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Je vais voir si je peux changer mon apparence vite fait. Ok. Tu veux changer de gueule là? Je vais juste. En fait, c'est juste les cheveux. Quand je les ai faits sur les 720p du Steam Deck, ça me semblait bien. Là, maintenant, en fait, je me rends compte que j'ai les cheveux vla rose, tu vois. Ok. Du coup, ouais, j'ai envie de changer un peu de. Un peu de changer de trogne, quoi. Enfin, pas de trogne, mais au moins de couper de cheveux. Voilà, faire sa vie F. C'est bon, t'as réussi à te connecter? Ouais, je suis là. Ok. Ouais, alors attends, putain. Lou a encore envie de En tout cas, c'est les couilles. casser les couilles. Bah oui, elle veut se poser sur les genoux. C'est une vieille dame, hein? Allez. Il est où ton miroir, hein? Il est au fond, dans une espèce. Tu sais, t'as une espèce de mini cascade. Ouais. Sur les côtés, bah en fait, t'as un petit. Comment on appelle ça? Un Comment on peut arbre? appeler ça? Un tronc d'arbre? Non, t'as une espèce de petite bâtisse, de petite cabane un peu en ruine, un truc du genre. Et bah, il suffit d'aller dedans et tu verras qu'il y a un miroir magique. Ah oui, je vois. Ah oui, ok, c'est bon, Voilà. je te vois. Voilà, et du coup, bah, on peut te poser là et. Et Et visiblement, là, je changer ta peux gueule. tout refaire comme je veux, quoi. C'est pas mal. Ah, j'ai mis une coupe qui s'appelle coupe pissenlit et ça a fait friser mon personnage. Ah non, c'est bon. C'est une sorte de coupe afro avec beaucoup de boucles, donc j'imagine que c'est compliqué à charger, hein. Est-ce que c'est une vraie coupe qui existe, ça? Ah, je sais pas. Coupe pissenlit. Je sais pas, moi j'aurais mis coupe afro, mais bon, apparemment c'est. Dans Baldur's Gate, c'est la coupe pissenlit. Alors, comment couper les pissenlits? Bon, bah, ça a rien à voir, du coup. Il y a des coupes qui s'appellent chasse au. Putain, c'est ouf en fait, le nom des coupes, ça n'a aucun sens. Enfin, je comprends pas trop Cape le imperméable de coupe de projet. cheveux, de pissenlit, de robe, de coupe de cheveux, shampoing, cape salon. Ah bah super. Ok. Bon, je vais choisir un truc, je vais juste changer vite fait. Je pense pas que ce soit une coupe homologuée par la Ligue des. La Fédération Française des Coiffeurs, quoi. La FFC, comme on dit. Oui. Après, est-ce que c'est ceux qui choisissent aussi le nom des salons de coiffure? C'est un autre débat. Parce que là, il y a. Voilà. Non, là il y a du boulot. Là il y a. Il y a Là, y moyen de a... faire un podcast de 4 heures en Ah bah 4 oui. parties, quoi, je pense, à mon avis. Bah d'ailleurs, quand on fera le podcast, si tu veux, je pourrais agrémenter de salons de coiffure, de questions-réponses sur les noms des salons de coiffure, tu vois. Oh bah oui, il y a moyen. Histoire de rigoler. Ok, alors du coup, si je prends ça. Et du coup, on a toujours Alcine qui est avec nous, en fait. Il est là, dans le camp. Bah ouais, je sais pas s'il va rester tout le temps là ou Là, si je vais lui parler. Oakfather's blessings to you. Je sais pas, c'est bizarre. Attends, je vais lui poser des questions sur la Precious forteresse. little, but I'm quite certain it can still be found. Ah, il connaît rien, d'accord. I studied one up close. Closer than most would care to be to those things. A drow attacked me and I defended myself. Afterwards, I was able to examine the tadpole that emerged. Hideous, but fascinating. Like nothing else in nature, I'm glad to say. Lors de la fête avec les tieflings, j'espère que je ne me suis pas trop montrée insistante. Je me suis laissé emporter par l'excitation du moment. What? Qu'est-ce qui. C'est moi qui peux dire ça. Tu te rappelles pas, je voulais le pécho. Ah putain, mais oui, c'est vrai. Ah, j'ai oublié. Attends, je vais lui dire ça. There are few things that are too strong for me. Ah, par contre, je sais pas, j'ai cliqué sur confirmer et là Le jeu le
visiblement, il me dit d'aller me faire enculer. Je vais peut-être devoir charger la partie, gars. Je sais pas, là, j'ai un bug. Ah, c'est bon. Okay. C'est juste un chargement de l'enfer. Ok, voilà. Bah, très bien, bah, on est à fond. Bah, alors du coup, bah, t'as pas du tout le site. Mais non, t'as pas du tout changé de gueule, en fait. Non, en fait, j'ai juste changé les cheveux. La couleur. Moi, j'avais pris cheveux blancs avec petite mèche rouge. D'accord. Et en fait, ben, quand j'ai vu là en HD la gueule de mon personnage, je me dis ah oui, putain, en fait. T'as les cheveux roses, quoi. En fait, j'ai vraiment les cheveux roses, quoi. Ok. Du coup, voilà, vraiment, vraiment, merci la, merci la grosse HD, tu vois. C'est quand même fou de pas voir les couleurs, quoi. Du coup, on peut peut-être quitter le camp, là. Ouais, bien sûr. Vas-y, let's go. Donc là, on est de nouveau au bosquet. Est-ce que moi j'avais gardé des trucs vendre? Je sais pas quoi. Non. Tiens mec, c'est quoi, j'ai un truc. J'ai une bouteille de graisse. Enfin j'ai trois bouteilles de graisse. Attends, t'en as une aussi. Ouais, je vais en filer une à mon voleur. À mon. À Will. Comme ça, je pense que c'est bien si on en a tous une. Pour. Bah pour au cas où, tu vois. Ouais. Foutre une petite flaque au sol et puis faire tomber un gars, tu vois. Ça peut être pas mal. Pareil, le feu grégeois, on en a tous pas mal, là. Ça peut être cool de les utiliser de temps en temps. C'est vrai, ouais. Quand il y a des zones et tout, quand il y a des mobs qui sont groupés en zone, on peut s'amuser un peu, je pense. Ouais, carrément. Du coup, c'était très fond obscur plage. Le TP. Alors, je sais plus, mec. Alors, attends. Je vais regarder. Ouais, je crois que c'est ça. Attends, j'y vais. Ouais. Ouais, ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok. Lettre abîmée par l'eau. Il y a une lettre abîmée par l'eau, je vais la lire. Cette lettre abîmée. Appelle le destinataire à la prudence aux abords de la rive opposée du lac d'Ébène, car on y aurait aperçu des duergars. Ok. Dag. Gnome des profondeurs exécuté. De la thune. Journal abandonné. Ah putain, désolé, à chaque fois je fais ça, mais... Abandonné. Pas exprès. Abandonné. On a organisé une fête surprise pour les 150 ans de Pied de Fer. Le simple fait qu'il ait survécu aussi longtemps méritait d'être dignement célébré. Ce vieil idiot a même versé une petite larme en découvrant le torboyau qu'on avait préparé en douce. Pied de Fer. Ok, ok, il a pourtant réussi. Myrna a prétendu qu'elle avait besoin pour surveiller à l'intérieur du chariot, pour surveiller le matériel. Ok, matériel. La maîtresse des galeries n'a pas pipé mot quand les ronflements ont commencé. Ce bon à rien a vraiment de la chance qu'elle soit aussi indulgente. On vient de recevoir une commande de palais de pioche pour que la bleuzaille se fasse la main. Je vais encore aller récupérer du bois de zurk. T'enfiler une vitesse, ok. Alors il y a peut-être un chariot avec du matériel. Ouais. Après je sais pas trop quoi. Et puis il y a pas mal de... Oula. T'as sauvegardé ? Non, c'est automatique. Ok, donc c'est moi sûrement qui ai fait une connerie. Donc je vais attendre. On peut pas passer là du coup ? Alors... Tiens, y'a un petit que t'as. Et merde ! Ah si, c'est bon, j'ai ramassé. Attends, j'ai cru que j'avais plus comme connard. Épée courte de premier sang. Putain, incroyable ! Ah ouais, sur qui? Sur un connard mort. Attends, je vais regarder si c'est pas pire. Attends, je peux utiliser le radeau des duergars de Tréfonds Obscurs. Peut-être pour mon perso. Ah ouais.
Est-ce que je peux la porter? Bah oui, je pense. Performance peut monter aussi, mais il y a encore tous leurs points de vie. Bah, évidemment, ma gueule. Petite épée. Pas mal. Soldier. Là, rien d'autre à faire. Ok, donc là, il y a donc ce passage. Alors, je sais pas trop, on verra plus tard. On peut aller voir par là. Un champignon chapeau luisant. Ok, il y a une zone ici. Et là, on a quoi? Là, c'est un cul-de-sac. Ok. Et la lettre d'avertissement, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Oh merde! J'ai une cinématique. Oula. Attends, je check. They're coming. Ce n'est pas vrai. Brider le feu de pensée pour concentrer sur cette voix étrange. They're coming. You're coming. Okay. On va back un petit peu, mais on va attendre, c'est pas bien grave. Donc une voix qui fait peur. Moi, je t'attends là où je suis, tac. Ok, je sais pas où t'es, attends, je vais te trouver. Je vais monter en fait. Vers la cabane où on a fait le combat, là, tu remontes à droite. J'ai dit à mes persos de monter. Et en fait, il y a deux endroits à explorer. Mon perso arrive théoriquement. Pas très autonome, les mecs. Ouais, ils sont un peu cons quand ils sont groupés. Ok. Alors la voie, c'est à notre gauche, là, derrière, par là. Mm-hmm. Et d'accord. Sinon, là-haut, il y a une zone... C'est là que j'ai trouvé l'épée, en bas, là, il y a des corps. D'ailleurs, il y en a un, j'ai pas fouillé, je vois ça. Et t'as une zone avec d'espèces de... Mm-hmm. Comment dire? Oui, c'est pas mal, putain. On donne un peu comme de la des poussières ou je sais pas quoi. Et je sais pas si on peut traverser en fait la zone. Bah moi j'ai vu sinon un radeau, apparemment on peut l'utiliser. Alors je sais pas pourquoi. En bas? Ouais, ici là, attends, vers la plage. Là tu vois. Je sais pas si tu vois ma marque. Ouais non mais je vois vaguement quoi, ok. Il y a une sorte de radeau illuminé là, et je sais pas, j'imagine que ça nous permet d'aller peut-être d'aller plus loin. Je sais pas. Ouais. Bizarre, hein. Bah on peut, une fois qu'on aura fini la zone, je pense qu'on peut on pourra le prendre. Et c'est moi, il y a des miasmes là, c'est chelou, non? Ouais, des espèces de fumée là. Mm. Bah c'est ça en fait, tout à l'heure j'ai essayé de passer et Ah bah si, ça marche. J'ai été ralenti. Je peux save. Oh. Oula. What? I don't like that. What? Can't be anything good. Vas-y, ouais. Je save et puis on y va. Hein. Corpses. These creatures did battle with Dwergar. Morceau de chair. Ah, attends, là il y a ici, mais. Est-ce qu'on peut passer par là? Non. Myconide. Examiner. Attends, je regarde un truc juste sur le myconide là. Vulnérabilité aux dégâts de feu. Le les machin feu rose là? Ouais, ouais. Non, c'est okay. Bon à savoir ça. Dégâts de feu sont doublés. Ça marche. Mm. Il y a pas mal de... Oh. Ah ouais, il y a des trucs partout là qui explosent. Torchel. Est-ce que pour le coup, là on pourrait pas tenter de... Les laisser un petit peu...
en vie, parce que là, à mon avis, on va se faire attaquer. Il y en a beaucoup quand même, hein. Ouais, après, moi je tenterais bien quand même de... Ah, attends. Les laisser pas trop avancer, tu vois, et puis on... Ah, il y en a là, des myconides à gauche, là. Il y en a trois. Où ça? À gauche, juste à gauche. Quand tu rentres dans la zone, là, tu regardes à gauche. Attends, je vais me mettre derrière toi, parce que je peux peut-être... Si ça se trouve, je ne vois pas à cause de ça. Ah putain, oui. Ok. Bah ouais, bah mec, on les attire. Dégâts de feu, en plus, ouais, c'est pas bête, ouais. On les attire et puis on les... Par contre, le truc, c'est que vraiment, dès qu'on passe à côté, ça pète, hein. C'est ça qui relou. Ouais, je sais. Bah, à la limite, sinon, on pète ceux qui sont trop proches de nous. Genre celle qui est là, tu vois. Ouais, ouais, à droite, là. Ouais, là, quoi. Le problème, c'est... Ouais. Faut faire gaffe que ça fasse pas réaction aux chaînes, quoi. Bah attends, je tente. De toute façon, j'ai save. Ouais, voilà, tu vois. Ah, puis ça met du miasme en plus. Sport de trimasque. Oh lolo. Ah, ça se barre, heureusement. Bon, là, c'est un peu plus cool. Après, peut-être qu'au tour par tour, ça dure plus longtemps. On peut peut-être aller là. Ouais. Genre, se planquer. Tirer une petite flèche, comme ça, ils arrivent. Et puis après, on les fait péter, tu vois. Ouais, il y a même des trucs en hauteur, tu vois, des espèces de bulbes luminescents, là, qu'on peut peut-être faire tomber. Ok, vas-y, ça marche, je vais dégroupe. Je vais mettre Will, je vais planquer Will, et je vais le mettre par là. Et là, il y a encore des trucs qui miassent. Ok, donc là, il me voit pas. En fait, faudrait leur tirer une flèche, mais ils sont quand même assez loin, quoi. Putain, tu sais quoi, j'essaie de me mettre tout là-bas, moi. En fait, j'ai pas besoin de me cacher, ils nous voient pas, de toute façon, là. Merde! En proie à la confusion. Ah bon, elle fait n'importe quoi. J'ai cliqué à droite, elle est partie à gauche. Vas-y, attends, je charge. Et je suis en train de me fendre la gueule, en fait. Elle est zinzin, du coup, elle est confuse, du coup, elle rigole, quoi. Alors attends, parce que du coup il y a d'autres trucs qui pètent apparemment. Il y a pas que les machins orange. Elle a un grain celle-là. Okay. Ah ouais, en fait c'est les champignons, bah les gros plats là. C'est ça qui fait d'espèce de brume. C'est les gros noirs plats là. Les gros, c'est quoi les gros noirs plats? Le trimasque là, tu vois l'espèce d'énorme champignon en forme de cuvette noire. Ah là. Ouais, ça là. C'est ça qui m'a pété à la gueule. Donc ça on peut le péter peut-être, cette saloperie là. Attends, je vais essayer de le péter. Voilà. Ok, ouais, d'accord. Non, va pas trop dans la fumée, tu sais ce que ça a fait tout à l'heure, donc calme-toi, s'il te plaît. Ok. Ouais, en gros, là, s'ils se pointent, on leur fait péter tout à la gueule et... Ah ouais, là, c'est pas mal. Chier d'avoir. Myconide agité, myconide toxique. Je pense pas qu'il me... Voilà. On va dégroupe, carrelage... Carrelage, je vais attendre parce que... Je vais peut-être me mettre sur la gauche, là, vers l'entrée. Je me mets là et j'attends, quoi. Bah, tu vas pas te prendre la OE du feu, bah, là? Bah, je sais pas, justement, j'essaye de me mettre pas trop proche, quoi. Là, ça doit aller, je pense. Alors, attends, je vais juste vérifier un truc. Si je tire une flèche... Non, il faut vraiment que je me rapproche plus, quand même. Never a dull moment. Fais voir. Ah ouais, faut vraiment que je m'en rapproche beaucoup, c'est un peu problématique ça. Moi je peux viser jusqu'au... Ah si, je peux taper jusque le... Jusque là, moi. Moi je peux taper le myconide agité là. Par contre j'ai 65% de toucher. Ouais. L'attaque sournoise, est-ce que j'ai... Ah oui, non, attaque sournoise, faut que je sois plus proche. Tu peux passer en sneaky entre les bulles ou ça, forcément ça va te péter à la gueule? Je pense que ça va péter, hein. Je sais pas. Ce qui serait top, c'est que tu te caches ici, là.
Oh, ouais, mais là, il y a vraiment un bulbe. Bah ouais, ouais. C'est bien. Du coup, si on fait tout péter, ça va être compliqué. Attends, je vais tester un truc. Non. Ouf. Ah ouais, d'accord, ok. Là, je peux que les toucher avec une attaque normale. Ok. Tu veux que moi je me mette là et que toi tu te foutes... Tu te caches ? Moi je les aggro là. Est-ce que si tu te mets à ma place, est-ce que si toi avec ton personnage tu peux tirer et... Parce que moi j'ai 75% de toucher. 65, ouais. Ouais. Pas ouf. Tire ici. Soixante-quatre pour cent. Il faut que je m'avance un peu plus. Ah oh bah vas-y, je vais le faire alors. Mais moi j'ai un dialogue en fait, j'ai une bulle de dialogue. Ah ouais? Je suis obligé de cliquer carrément sur l'arc pour pouvoir voir. Sinon j'ai une bulle de dialogue. Ouais. Je peux lui parler, mais bon. J'imagine qu'elle va s'avancer quand je vais vouloir lui parler et que tout va me péter à la gueule. Mais peut-être qu'on peut les brailler. Ça se trouve, ouais, si ça se trouve, faut pas les buter. Bah vas-y, attends, je vais save et puis je vais essayer d'y aller. On va voir. Hein. Toi, tu peux parler aussi. Bon, ah bah. J'ai sauvegardé. Ça a pas fait trop de dégâts. Ah, j'ai une cinématique. Ouais. Through one creature sing many voices, the harmony of an entire collective. Sovereign, he has come. He is here. The choir fades. A single melody rises above the others, brassy and commanding. I am sovereign. You see a vision. Your lifeless body wrapped in fungal tendrils. The sovereign is threatening you. State your purpose. Ok. T'as mis quoi ? Concentré sur le chant du souverain pour te dire. Tester d'en saisir le sens, putain la vache. 5 de difficulté, j'ai fait 4 et j'ai eu plus 1. You detect a distinct quiver in every note. These creatures have experienced recent tragedy. Ok. Fungal roots weave through your mind, seeking your true intent. Then the sovereign drones a new melody. Cautious but welcoming. Descend to me. Let us speak in flesh. The persistent music coaxes you forward. The sovereign expects you. Ok. Eh, yeah, vas-y. Hein. Ah oui, on peut leur parler. Chef ou... C'est qui le chef ? Serviteur des sports. Ils sont stylés, hein. Les serviteurs, ils veulent pas parler. Faut aller voir le trompa. Souverain, tiens, il est là. Attends. Ah oui, il faut aller lui parler direct. Il est là.
putain, heureusement qu'on les a pas attaqués. Ouais. Sport de communication. Ah, attends. C'est vrai que ouais, si c'était tous ramenés là. Attends, c'est quoi le délire? Trouver les bottes là? J'ai eu une. Ah. Trouver les bottes disparues. Ah bah, apparemment, nous avons fini par trouver depuis là. Ok. Oui, c'était une mission qu'on avait à faire. Oui, c'était le. Attends. Ah, mais elle est par terre là. Elle est là. C'est les mecs qu'on avait butés au dernier combat là. Ils cherchaient des bottes, ouais. Je sais pas quoi. Ok. Ah, c'est celle qui est au sol, ouais, d'accord. Tu lui parles là? Je lui parlais, ouais. A condition that's familiar. Poison, derived from a wild weed common to the Underdark. She'll need an antidote soon, most likely held by the poisoner. On a l'antidote. Slashed me. Ah ouais, en fait, les hommes champignons, ils ont l'air gentils, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression. Alors, vas-y. Oh! Allez, allez là. Non, oh, putain. Putain, c'est une blague. Docteur Lulu, le mec. Bon, ça doit être un cancer des poumons. Mais sinon, lui donner l'antidote, hein. Ah, mais oui, c'est vrai. Bah oui. On a un antidote, apparemment, donc allons-y. Hein. Petit coup de gnome. Ah mais oui, c'est parce que c'est sur les mecs qu'on a buté, on a récupéré un antidote du Hargre, machin. Mais c'était eux qui l'avaient empoisonné? Ah, God. Whatever that is, I needed it. Parce que c'était censé être des... Why are you helping? Ah mais oui, c'est vrai, ils cherchaient... Ils voulaient buter elle parce qu'elle avait volé les bottes. C'est ça. C'est toujours utile d'avoir des gens qui ont une dette envers. C'est pas faux, c'est pas faux. No arguments there. Felt like a hook horror was sorting through my guts. But that cure did the trick. Quick sharp too. I thank you for your help, but I gotta get moving. Oh, Carl's garters. Oh, ah, la jarretière. I don't have time for this. My kin need me. Seems you're the helping kind. All right. I need you to rescue my kin. Not charity, mind. We can pay. We're Ironhand Clan. Best artificers in Baldur's Gate. We were on an expedition down here when the Dwergar snatched us up. I got away, but not the others. The Greys have them digging out some old ruin across the lake. Just mining for materials. Nothing unusual, but our work pays well. Help my clan, and we'll make it worth your while. I swear. Ah, perspicacité, j'ai de perspicacité. Thank you. Only wish I could go with you, but here. I know these boots from the Greys when I ran. I'll feel better knowing you're using them to kick some Dwerger ass. I'll mark where I made my escape, and wait here, I suppose. Ok. Karlak a gagné un point d'inspiration. D'accord. Ok. Et donc du coup, là, on a eu des bottes. Bottes de rapidité. Claquer des talons. Et c'est quoi ? Vous claquez les talons pour gagner en vitesse et en liberté de mouvement. Votre vitesse de déplacement est doublée et vos ennemis subissent un désavantage sur leur attaque d'opportunité contre vous. Wow, c'est lourd. Pas mal ça. Ouais, de ouf. Attends. Attends, juste je fais un petit test. Si je le mets sur Will par exemple.
Ah ouais, c'est pas considéré comme étant une armure. Ok. Alors je sais pas pour qui ça peut être cool. Toi ça te dit? Bah soit ton voleur, soit mon archer, je pense. Bah, je pense que mon voleur ça peut être bien, ouais. vu que c'est lui qui a besoin de vite bouger pour se mettre dans le dos, des trucs du genre. C'est ça, je pense aussi, ouais. Ah, c'est pas mal. Ok, bah vas-y, je vais, on va tenter alors. On va tenter l'aventure. Ok. Et ok. Bah très bien. Et du coup, faut aller parler aux autres Kiki là. Il y a le souverain. Hein. Il est où? Tu vas lui parler? Vas-y. What does that thing want with the corpses? The sovereign's thick fingers stroke the corpse at its feet. A droning melody greets you as the creature turns its gaze to you. Flesh talker, I show you a memory. Watch and listen. A violent vision grips you. Dwega. Dark dwarves chopping Myconid remains. Ah bah c'est eux qu'on a buté. Ouais. They killed our young. The sovereign's song slows to the pace of a dirge. It is still in mourning. We laid waste to many, but intruders remain. Lakewood. Okay. C'est peut-être eux qu'on a pété. Du coup, il va peut-être nous dire ah bah merci, vous les avez tués, vous êtes gentils. Ah, c'est ça, au bord du lac, c'était eux. Son arc comme si on était indiqué par tous les enfers. Qu'avez-vous fait au cadavre? La musique shifts. Still melancholique, but now streaked with hope. Do you hear a new harmony? La semeuse de paix. Serenity. I name you Peace Bringer. Fragrant spores waft through the air. Your heart swells with bliss with your every breath. Il a pété. Freely you have given to us. Freely you may take. The guardian gate is open. Go and claim your reward. But before this, I have another boon to ask of you. You have cut out the Dwergar blight, but not its source. In your mind's eye, Spore shows you a drow striding among Myconid dead. Near, this one is called. He hunted us. Hunt him in turn. Bring me his head, and I will know my circle is safe. C'est comme si c'était fait, je rapportais la tête. J'ose espérer qu'il y aurait une autre récompense. Bon, vas-y, hein, on va lui rapporter la tête, moi. Moi, je les aime bien, eux. Ouais. Bring him death and return. En plus, il nous a nommé la semeuse de paix. C'est pas mal. Ah, putain, elle a un état. Ouais. Sport de félicité. L'entité affectée bénéficie d'un bonus de plus 1d6 au jet d'attaque, test de caractéristiques et jet de sauvegarde jusqu'à son prochain long repos. Mortel, ça. Est-ce que si moi je lui parle, il va me le donner aussi? The Myconid denounces your theft. It means oh to non. Punish you. Attends. Ah, c'est fait une connerie. Ça fait. Bah en fait, il y avait des cadavres au sol et du coup, j'ai cliqué pour voir ce qu'ils avaient sur eux. Et là, le mec il veut me dénoncer parce que j'ai volé en fait.
Attends. C'est un accident, je remets ça à sa place. Bah ouais, persuasion. Ouais. Je vais dire ça. 10 de difficulté. Oh, moins 1, plus 1 des 6. Ah bah ça va. Oh. Tu veux que je charge? Ouais, ou alors je relance quoi. Non mais vas-y, parce que t'as mis ce clic. Ah putain, quel con, je suis désolé. Je pensais juste, en vrai je voulais pas voler, je voulais juste regarder ce qu'il avait, tu vois. Ouais, dedans. Parce que j'ai vu que c'était rouge, donc je savais que voilà, mais je pensais même pas que. Après, juste après, en cliquant dans, quoi. Dans la vraie vie, faut pas le faire non plus, hein. Non, si je voulais voir ce qu'il y avait dans votre sac. J'ai juste regardé, bon, s'il reste un petit truc, bon, ah, on sait jamais, on peut s'arranger. J'ai quand même ouvert mon sac alors qu'il était sur mon dos. Oui, mais voilà, je voulais juste voir. La curiosité est un vilain défaut, pardon. Ah, vas-y, il y a la meuf. Du coup, vas-y, reparle à la petite. Est-ce que je peux parler au mec en même temps? Ouais. Attends, est-ce que je vais... On peut skip en appuyant sur espace les, ouais, les dialogues. Alors lui donner l'antidote. Voilà, c'est bon. Tac. Allez, je touche à rien, je me barre. Qu'est-ce que... Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, tout va bien. C'est cool. C'est bon ? Ouais. It's regled. Ouais, ouais, c'est bon. Du coup, on a une récompense à récup. Je sais pas où c'est, mais... Ah oui, et bottes de rapidité. Et y'a un marchand là-bas, tiens. Je vais aller voir. Ce qu'il nous propose. Lui là? Ouais. Ah, a visitor. A visitor. You're a welcome sight. Oh, but a let visitor. Us observe the customs of the locals. Alexa anglais. The scholar's brow. Attends, a cup of tea. His voice oula, pire accent. The spores connecting mind to mind. Lurg, proud member of the Society of Brilliance at your service. Or perhaps not. Your mind is far more complex than that of the fungi. Il essaye de me brain, non? Je pense que c'est bizarre. Société des érudits. Obgoblin. Un obgoblin. Vas-y, vas-y, vas-y. Juste voir ce que t'as en marchandise. Si anything in my private collection is to your liking. Alors, ouais, ouais. Ok. Déjà des potions de guérison, ça, ça part direct dans la poche. Hop, on prend tout. Pardon. Ensuite, il a quoi? Du rouge. Bah tiens donc. Il a plein de sorts, des parchemins de sorts, boules de feu et tout. Oh, il a 3 parchemins de retour à la vie. Putain, ça coûte 780. Saucisse de porc épicée. Attendez. Une lame funeste. Alors là, il y a une lame épée courte, 6 à 11 points de dégâts. Ah putain, j'ai trouvé une autre marchande, parfait. Bâton. Ah, intéressant ça. Deris Mantelos. Ouh, ça pourrait être pas mal ça. Couleur Mantelos. Charge de foudre, il gagne également 3 points de vie temporaires. Avec mes bottes de foudre, ça peut être pas mal. Mais bon. Je vais voir, il y a quoi d'autre. Le porteur peut voir dans le noir jusqu'à une distance de 12 mètres. Bottes de marche agréable. La vitesse de déplacement n'est pas affectée par les terrains difficiles. Oh, c'est pas mal ça. Et des torches-cul. Ouais. Ok. Fais voir les bottines.
J'ai quoi en botte déjà? Ah oui, j'ai le fameux truc électrique. Un au test de discrétion, mais en fait, on a que des armures avec des plus 1 en test de discrétion. Armure lourde. J'hésite à prendre ces petites bottes. Anneau de saut. Terrain difficile, mais après, je trouve ça super cher. C'est quoi ça? Votre distance de saut est triplée. Oh. What? Action bonus? Pas mal ça. Non, je vais rien prendre. Je vais rien prendre. Ok, nice. Il est où ton marchand à toi? Bah là où je suis. Ah ouais, d'accord. Il vend des armes. Oh bah il y a la récompense, c'est ici je pense du coup. C'est à côté, il y a une espèce d'énorme truc de liane. Enfin de racine, ça doit être ici. Racine. Tu le racines. But don't come begging for coin if you find him. You try to ransom him to me. You'll find yourself skint and stuck with a fat old lout. Ouais de naine. Elle vend quoi du coup elle? Des armes et tout ou... C'est pas ouf. Elle vend de tout. D'accord, c'est une personne foyer. C'est un Jiffy. C'est un Jiffy le merdier. Je peux pas quitter du coup le truc? Eh ben vas-y hein. Ah oui là, je suis con, j'avais pas vu là. Alors mec, il y a un anneau par contre, il y a une amulette qui est pas mal. Ouais. Qui donne mot de guérison et mot de guérison de groupe. D'accord, en quelles circonstances? Alors, sort d'évocation. Sort d'évocation de niveau 3. Ça donne des sorts en fait, ça donne un sort, c'est ça? Ça donne deux sorts. D'accord. Et alors attends, parce que... Portée 18 mètres, une fois entre deux longs repos. Ok, donc on peut le faire une fois quoi. 2 à 5 points de vie de récupérer. Franchement. Et guérison de groupe, 2 à 5 points, ok. Autant prendre une popo quoi. Et n'importe qui, ok, ouais. Ouais, c'est vrai. Ok, c'est pas grand chose quoi, c'est pas énorme. Mmh. Et après, des gants d'herboriste, ok. Grêle d'épines. Ah, attends. La Mimi. Allez, mets-toi là. Voilà. Mets-toi ici. Voilà. Je lui ai mis un petit plaid sur mon bureau à gauche pour qu'elle puisse se poser. Voilà. Eh bien. Grosse Mimi. Bah non, elle est mec maintenant. Ah bon? Parce qu'elle vieillit. Bah non, mais tu sais, j'ai dû la mettre au régime. Bah non, mais c'est vrai, c'était le veto qui m'a dit, mais c'est à longtemps, ça fait longtemps maintenant. Et du coup, bah maintenant, elle a même limite été en sous-poids à un moment. D'accord. Là, ça va, elle est bien. J'ai dû lui faire bouffer des courgettes à l'eau et tout. Ouah, d'accord. Ouais, pour qu'elle mange moins. Ouais, après, sinon, il y a des arcs. Y a un, là où je suis, il y a un arc court plus 1. Ouais, bah je vais regarder, je pense, après toi. Là, je suis juste derrière toi, j'attends. Ouais, je suis en train de checker, mais il n'y a pas grand chose. Parce que l'autre marchand, honnêtement, il y a quelques trucs, mais. Ouais. Il y avait une paire de bottes qui avait l'air pas mal, mais je crois que c'était genre 400 balles. Casse un peu les couilles. Ouais, non, y a rien de fifou. Je dis tac. Ouais. Ouais, non, y a rien. Rien. Je vais juste lui vendre mes merdes, du coup. Ils me servent à rien. Tac. Non, bah, je suis pas mal. Hein. Et ça, botte en cuir.
Ajouter à la vente. Ouais. Ok, c'est vendu. Et ça. Ouais, c'est bon. Ok, j'ai récupéré une quête avec elle. Ah putain, j'ai un dialogue. Ouais, y'a plein d'armure et tout. J'ai un dialogue avec le souverain. Ok. Bon, je te raconterai après, fais tes trucs. Marque du chasseur. Ah oui, marque du chasseur, c'était avec cet arc. Enchantement plus 1. Ouais, non. C'est deux fois le même. Après, il y a des armures. Hein. Ah ouais, ils se sont fait décimer en fait, les Myconides. Ah, je les aime bien. Pas mal celle-là, du coup. Oh, le mec, il veut se joindre à nous. Ah ouais. Ok, la fameuse amulette. Ok. Il est hors de question que je voyage en compagnie d'un champignon survitaminé. Mais je vais lui dire, les Duergar sont déjà morts. Je pourrais prendre celle-là. Ah, et 950, putain, c'est cher. Non, attends, c'est pas celle-là que je voulais prendre, c'est laquelle? Celle-là? 775, ouais, je peux l'acheter. Ah bah, le mec, c'est un allié, maintenant, il est avec nous. Vas-y, je la prends. Hop. Oula. Pas mal les bzaises, mais voilà. Et alors, attends, il veut voir les mecs morts de ses propres yeux. Les mecs morts? Bah, tu sais, les connards là qui ont attaqué la naine et tout. Je vais l'emmener sur les lieux du truc. Ah, c'est que 25. Je prends tout. Voilà. Je vais l'emmener et puis je reviens. Ouais. Pas très loin. Bon, du coup, j'ai acheté une armure. Il y avait la même que la mienne, mais en plus 1. Tout en plus 1 en plus. Donc. Voilà. Roter des profondeurs. Et du coup, c'est là où il y a notre récompense, alors c'est ici. Ouais, c'est bien des Duergar qu'on a pété tout à l'heure. Le groupe a gagné 80 points d'expérience. C'est grâce à toi, ça? Bah, parce que je l'ai emmené devant les mecs qu'on a pété, du coup, le mec est content, quoi. La tumeur a été excisée, les Duergar ne sont plus. Putain, on a bien fait de leur casser la gueule à ces fils de pute. Hein. Bah, de toute façon, je crois qu'ils nous avaient agressés. On n'a pas trop eu le choix, quoi. Bah, en vrai, on aurait pu ne pas le faire, mais c'est juste qu'ils ont dit ouais, vous allez me récupérer la. La naine. Qui est notre. Comment dire, notre esclave, et voilà. Et puis moi, je dis bah non, je vais pas vous aider alors que vous exploitez une esclave et tout. Et du coup, ils nous ont attaqué. Ah non, très bien, très bien, très, très bien. On est potes avec des champignons, moi ça me plaît. Bon, du coup, je sais pas si c'était ça notre récompense, mais c'était de la merde. En spawn ne peut exister, éliminer l'autre souverain. Wow, attends,
Ah ouais, il y a une espèce de... Oh, il est incroyable, lui. Espèce de monture, là. Un vautour mixé avec un insécateur. Attends, mec. Vas-y, vas-y. Mais moi, je sais pas où t'es. Ok, c'est bon, je te vois. Ouais, il est incroyable. C'est lui qui est avec toi, là. Ouais, alors, par contre, il veut tuer Spaw, en fait. Attends. Vas-y, je regarde ta cinématique. C'est qui, Spaw? Bah, en fait, c'est le mec qui t'a offert une bénédiction, là. D'accord. Du coup, bah non, on va pas t'aider à trahir. Ah ouais, d'accord. En gros, il veut le remplacer, quoi. Ah, quel bâtard, vous voulez trahir, attends. Destin amplement mérité. Putain, mais c'est ouf. Vous étiez trop mignons, les champignons, là. Comme quoi, hein. Tout le monde est une merde au fond. Ah, j'ai adressé mon chant à Spaw pour lui demander son aide, mais il s'est terré dans la grotte en laissant les miens se faire massacrer. Ouais, bon, enfin bon. Ça, c'est leurs histoires de merde, ils se débrouillent, quoi. Le mec, il est pas venu l'aider, alors du coup, il veut le buter, quoi. C'est un petit peu extrême, hein. En plus, c'est un tas de merde, quoi. Genre. Ouais, enfin bon, on peut pas lui dire ça. C'est dommage. Vous êtes très moche. Bon, je vous aide pas parce que vous êtes un tas de merde déjà, d'abord. Bah, je refuse de me mêler de cette histoire. Hein. C'est mon droit, mon droit. Bah, va le faire. Its delicate harmonies turn to scrapes and scratches. Putain, je crois qu'il va te péter la gueule. Ah bah. Allez, ça commence. Ok, bah ça y est. T'es en combat? Ouais. Attends, j'arrive. Attends, par contre, j'ai cliqué sur ta tête, mais je sais pas par où t'es allé en fait. En fait, t'es retourné là où on a fait le combat, c'est ça? Ah, attends, parce que... Alors, je vais l'examiner un peu. Oh putain. Dégâts de feu doublés. Casse-couille, quoi. Il est tout seul ? Ouais. Bon, ça doit aller, non ? Ouais. ouais, je vais vraiment t'attendre hein, parce que... Je suis là. Ah, attends, faut juste que je vois la... Comment c'est branlé ? Ah putain, ah, c'est ouais. Bon, je suis en combat. Alors déjà je peux lui mettre cécité. Il va nous donner un petit avantage. Alors attends. 50% de chance. Ouais putain non. Qu'est-ce que je peux faire? Enchante, ouais. Des charges occultes, mais ça peut être chaud ça. Hein. Et une blessure. Et ça c'est quoi? Effraie la cible. Ça fait quoi ça? Incapable de bouger, subissent également un haut test de caractéristiques des... Je vais tester ça, le rayon de terreur. Vas-y on teste ça. Effrayé, ça a marché. Ok. Et je peux peut-être essayer de le bousculer. Ah, trop lourd pour être bousculé. Ah, raté. Fin du tour. Ah, châtiment calcinant. Ah ouais, c'est une attaque feu en plus, ça. Hein? Ça a pas marché? J'ai fait 3 rangées d'attaque. Oh là là.
4, on a 6. Bon bah, fin du tour pour moi. Hein. Parce que si je m'en vais, je me prends une attaque d'opportunité. Il est effrayé. Ah putain. Sort de hâte. Ok, bon ça va. Oh, double coup critique. Oh lolo, on l'a déboîté mon gars. Ah oui, bah je lui ai fait une attaque de feu en plus derrière. Oh, la reste pas dans les miasmes. Marche pas dedans. Incroyable les lolos genre. Énorme. Qu'est-ce qu'il donne? Parchemin d'immobilisation, parchemin de flou. On va donner tout à Will. Ok, morceau de chair, sport, tête d'os. Ouais, vas-y, ok. Ouais, je fais un petit court repos là. Ouais. Du coup, ça veut dire que le... sur la gauche, là où j'entendais la voix, en fait, ça devait être la voix de Trompa des champignons, quoi. Bah ouais. Est-ce qu'on va se faire attaquer par les autres cons par contre du coup? J'espère pas. Non, j'espère pas non plus. Alors, c'est fou, les mecs ils peuvent pas s'empêter de vouloir se buter quoi. Ouais ouais, c'est ça. C'est quand même incroyable. Ah ouais, ok, on peut passer là en fait. Y'a quoi par ici? En fait à gauche t'as un passage et là on peut remonter au niveau du village des champignons quoi. Par ici. Ah yes. Ah bah oui. Je vais aller parler au souverain pour lui expliquer quand même ce qui s'est passé. Ouais. Ça se trouve il va nous donner un petit truc. Yoink. Je pense qu'on a checké la zone. Ah, il y a un TP ici. Je vais l'activer. Ah ouais, et mec, en fait, je suis en train de regarder le log là. Genre, Karla qui a utilisé main principale sur souverain glut. Ouais. Ça lui a fait 16 points de dégâts tranchants, plus 8 points de dégâts de feu, plus 12 points de dégâts tranchants, plus 12 points de dégâts de feu. What? Incroyable. Mais c'est quoi l'attaque que tu lui as fait? Mec, j'ai juste attaque de base en fait. Attends, faut que je regarde. C'est avec la hache là. Ah oui, c'est ça. En fait, la hache elle fait des dégâts tranchants et des dégâts de feu. Ah ouais. Oh, oh mais oui, aux plantes, aux insectes et aux créatures de petite taille. Donc en fait, c'est un genre de plante ou je sais pas quoi, le champignon. C'est pour ça. Bah ouais. Ah, il a mangé chaud le bâtard. Ah, elle est incroyable cette vache. Alors, j'ai tué la créature nommée Glut, elle cherchait à massacrer votre cercle. The songs we sing now carry your spirit. Père spirituel. Ok. Il t'a donné un buff? Bah non. Tout ça à partir d'une fraise? Il y a un TP derrière là, je sais pas si le fait que je l'ai pris ça te l'a pris aussi. Je sais pas où t'es. Juste derrière, tu redescends là, il y a un TP, regarde contre la roche là. Ah ouais. Si je le vois, tu si vois. Ouais. Ouais, c'est bon. Ok, je vais regarder un coup sur la map là pour voir. On a vraiment plusieurs chemins là. Il y a un chemin ici. Peut-être aller par l'ouest, je sais pas. L'ouest, qu'est-ce qu'il y a à l'ouest? Bah, dans... on a une quête qui s'appelle Retrouver Belen, le ramasseur de champignons. Ok. Bah, on peut, hein.
Ah oui, c'est le mari de Machine, là. Vas-y, let's go. Vas-y, on peut. C'est qui, Machine? C'est la deuxième marchande. D'accord. Elle. Ouais, ouais, ok. Pourquoi le serviteur de sport? Tant pis, je vais pas reparler. Trou profond. C'est quoi ça? Vas-y, je vais cliquer dessus. Plancher, mais vous distinguez rien. It's impossible to tell how deep it goes by sight alone. Your call echoes as it plunges downward before gradually fading away. D'accord. Ah putain mec, il faut que j'aille m'occuper de mon linge là vite fait. Ouais, vas-y. vas-y, je le save et je me repose. Je suis dans 10 minutes, c'est ouais, fait, je pense. Ça marche, ça marche. À tout de suite. Tout de suite. Je reste en ligne, hein, je coupe juste mon micro. OK. Yo. Yo. Ça va, t'as pas attendu trop longtemps? Non, t'inquiète, t'inquiète. Nickel. Alors. On est reparti. Bah oui. Alors. Là, je vois qu'il y a des espèces de champis verts, là. Souffle feu. Je pense. Ouais. J'imagine que c'est ça. Oula. Test de survie. Frère, des champignons. C'est okay. Quoi ce truc d'inspiration? Je comprends pas. Là. En fait, quand tu fais pas des situations, mais quand tu réagis ou quand tu fais des trucs en lien avec. Le background de ton personnage, tu gagnes des points d'inspiration, je crois. Et je pense que Carla, qu'elle doit avoir un truc avec les... Oui, c'est ça. Truc d'inspiration, c'est pour relancer les tests de dés, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Je comprenais pas bien. T'es allé là? Il y en a encore un là. En même temps. Et il y en a, attends, il y en a encore un. Le voilà. Ah non. Le petit là. Amanite grouillante. Non, je pensais que. Du coup, ça se barre. Par contre, ça se barre pas. Ah merde. C'est sûr ça? Bah. Ah si, c'est bon. Ok, c'est bon. On peut dépasser les objets. Oh, en bas, regarde. C'est quoi la... Floreur crochu en bas, là. Fleur de sur... Horreur crochu. Oh putain, il vient. Non? Qu'est-ce qu'il fait ce con? Je sais pas, je vois rien. Ah oui, putain. C'est l'espèce de monture dont je parlais tout à l'heure. Ouais, je vois. Et attends, il y a un truc. Fleur de susurro, c'est quoi ça? Cette fleur bleue cueillie sur l'insu sur au bougeonnant dégage une odeur doucereuse qui vient nauser un monde avant de disparaître si elle est exposée à la lumière du soleil. Ok. Mm-hmm. On va voir le gars là. Bah ouais. On va save un coup. Hop. Puis ouais, let's go. Hein. Ok, let's go. Ok. Ah bah combat direct. Comme ça. Mon personnage est caché au moins, c'est cool. Donc t'es en combat. Avec Will, je suis pas en combat. Ils sont combien? Il y en a qu'un. Ok. What's it gonna take? Ok.
Attends, hop. Vas-y si tu veux. Je vais essayer de l'attaquer. Tu vas me voir. Je m'ai interrompu. Ok. Ah. Ok. Ah, je peux. Vas-y, vas-y. On... faire venir mon. Doté. Non! Putain, fais chier. C'est pas grave. Elle est trop... on attaque tous à la suite après lui. Donc... ah, et putain, c'est lui qui attaque en premier par contre. Fais chier. Il va se barrer, non? Oula, il monte. Bon de félin. Oh non, il nous a mis au sol. Ouais. Attends, je peux peut-être essayer de le pousser. Non, il est trop lourd. Est-ce que je peux me planquer? Oui, je peux me planquer. Attends, je peux l'attaquer dans le dos. Vas-y. Attaque sournoise. Ok. Oh, y a moyen de le péter. Du tour. Avec lui, je peux le bousculer. Allez, il critique, il lui reste 9 points de vie. Trop lourd pour être bousculé. Avec Will, tu peux pas le finir? Bah non. Attends, j'ai une botte secrète. Il lui reste. J'ai plus de points d'action. J'ai plus un seul point d'action. Donc ouais. Bah après, ouais, c'est autour de Karlach, donc elle peut y aller, je pense. Je me suis dégagé en plus, donc ok. Cool. Crochet. Ok, truc d'alchimie, j'imagine. Ouais. T'as ramassé la fleur, non? On peut pas? Non, je l'ai pas touché. Attends, champ d'anti-magie. Quoi? L'objet 0. Oh putain, il y en a un autre. Tu t'es... ah merde. Il y en a un autre, alors, il est où? Il est au-dessus en fait, sur les racines en haut. Attends, je le vois pas. Tu peux au-dessus me... de ah moi. Oui, je le vois. Juste le vois, au-dessus de moi, ouais. Comment je peux faire? Qui serait cool... attends, je vais essayer d'y aller avec mon voleur. Je vais me planquer. Ah, je peux pas monter sur... je peux pas monter sur le truc. Comment est-ce que je peux le rejoindre sans me faire voir? C'est ça qui est chiant. Ouais. Ça va être compliqué là. Need to find a way forward. Ah si, je peux peut-être passer par là. Je sais pas. C'est de se mettre là déjà. Il a un arc, un truc ou il est Non, il a rien. Ok. Je vais poster mon gars là, à la limite. Et peu de chance qu'il le voit. Ok. Oh putain, il y en a un autre. Il y en a un autre que je vois là. Et qui marche là. Il est ici. Ah oui, exact. Bon, il nous a pas vu pour le moment. On va d'abord péter l'autre, on va y aller tranquille. Puis... ouais. Ok, donc il y a le mec là-haut. Attends, annuler le tour, on va faire un truc. Et Will... ah bah il est en combat, Will, aussi, du coup. Moi, est-ce que... monter. Attends, est-ce que je peux... bah s'il est trop éloigné, je peux même pas le taper. Ok. Je vais me planquer par là. Ah, fin du tour. Ah, appel des rencontres. Évidemment. Y'a personne qui est venu, hein, on est d'accord. Ah, je suis trop loin là. Putain de merde. Je suis trop loin. Est-ce que si avec Will je fais ça? Ah, il est trop loin.
Il est trop loin, je peux rien faire. Oh non. Non plus. Non plus. Je peux rien faire. Ouais, je vais attendre. Ready for another round. Moving. Ce qui serait cool, c'est que tu le fasses tomber, quoi. Malheureusement, je suis Je peux pas l'attaquer au cac, je suis. Eh ben, essaye de te taper là. Ouais. Putain, fils de pute, critique. Encore ? Oh là là, bordel de merde. Mais y'a personne. Ah, il fait chier. Peut-être que tu devrais te barrer avec Karlak en fait pour pas qu'il. Enfin, faut qu'il vienne par là parce que là, en l'air, il nous fait chier quoi. Et puis t'es tout seul. Je sais pas comment on pourrait faire. Ah, si, je vois un truc. Ah putain, attends, avec mon voleur, je vois comment je pourrais l'attendre. Je vais tester un truc. Mais là, je peux le péter là. Enfin, je peux le taper après. Là aussi. Il reste 19. Bah je peux peut-être faire une attaque furtive en descendant. Je vais tenter si tu veux. Comme tu veux, t'es pas en combat, du coup je mets pas ma fin de tour là. Si. Non, je suis pas en combat, ouais. Du coup, mets pas. Il va te voir là. Là pour l'instant il me voit pas. Je suis pas dans sa zone. Je peux essayer là. Vas-y hein. Bien ouais, je... Il lui reste 3, je suis deg. Bah avec Will, tu peux faire un truc. Non, t'es trop loin. Non, il est trop loin. Il est trop loin. Attends, attaque à distance. Non, je peux rien faire. Je peux rien faire. Je vais rester là. En fait, faut qu'on les attire. Faut qu'on les attire vers là, quoi. Tu vois. Faut qu'on on finisse celui-là et puis on back. Et comme ça, après, on les pète de là-haut, là, je pense. Je pense que c'est le mieux. J'ai l'impression. Oh putain. Qu'est-ce qu'il se passe? Okay. Putain, mais j'ai pris trop cher. What the fuck? Il t'a mis hémorragie en plus. Ah, ok. En fait, il y en a plusieurs. Évidemment. Bon, je vais le finir de toute façon. Ok, cool. Est-ce qu'ils peuvent grimper? Ouais, j'imagine qu'ils peuvent grimper, ces bâtards. Alors, je me suis fait voir. Je vais redescendre avec Karlach. Je repars par là. Ah putain, il y en a un là aussi. Oh putain, je l'avais pas vu ce mange merde. Ok. C'est quoi, je vais tirer sur lui. C'est pas ouf. Mais... Ouais, je peux peut-être jeter un truc. Ils sont sensibles au feu, eux, ou pas? Je sais pas. Résistance, aucune. Fin du tour.
Et attends, Will, je pense qu'il peut sûrement faire quelque chose là. Non, toujours pas, il est encore. Oh putain, j'aurais dû le rapprocher, je suis un connard. Non, je peux rien faire. Non, je peux pas faire ça. La fin du tour. On peut se heal en jetant des potions à nos pieds. Très bien, très bien. Il fonce vers nous. Parfait. Foncez. Oula, oula. Oh, ça va être pour ma gueule, ça. Non, ça va. Putain, il pue la merde. Hypnotisé. C'est quoi, ça? Oh, il y a un mec blanc. Ouais, ouais. Attendez, hypnotisé. Je suis hypnotisé. Qu'est-ce que c'est? Incapable de se déplacer ou d'effectuer des actions... Hein ? On peut rien faire en fait. L'effet se dissipe si un allié subit des dégâts ou est aidé par un allié. Bah y'a que Will en fait. En gros il faudrait que tu balances... En fait faudrait que tu balances un truc dans la gueule pour qu'on... Pour qu'on soit plus hypnotisé. Je mets une nuée de dagues devant le mec qui est prêt à nous péter là. Ouais. Fais ça hein. Vas-y hein, si tu peux. Ok. Ça, ça bloque un peu le passage. Putain, on peut rien faire, c'est horrible. Mais attends, du coup, ça. Ça, ça dure deux tours. Il s'est pris la nuée de dagues. Ouais, mais. Voilà. Cela dit, je suis plus hypnotisé. Comme il m'a par tapé. Contre, à terre. L'autre là-haut, par contre, ça va quoi. Oh, il va m'éclater. Putain, mais non, mais j'en ai marre de crever. Oh là là. Oh, ils font chier avec ça. Je peux rien faire. Voilà. Y'a que toi. Ouais, mais bon, je suis au cac quoi. Ah, ok, Will. Des avantages. Oh putain. Ah, si, il peut faire ça. J'ai limite envie de balancer une flèche à Carlac pour la réveiller, quoi. Je vais le faire. Raté. Allez ! Eh bah, je suis décédé. J'ai crevé, ouais. Oh, raté. Putain. Attends, tueur de géant, c'est quoi ça ? Vous attaquez, vous pouvez riposter à l'aide d'une attaque au corps à corps. Vas-y, hein. Pas mal ça, pas mal les bzaises. Ok, putain. On est hypnotisé, raté, ok. Ah c'est bon, je suis plus hypnotisé avec Carlache. Il faut aller bosser l'autre fils de pute en haut là. Ouais. Ah putain, mais c'est vrai que Will, il y en a un aussi vers Will. Oh là là. Les ailes infernales. Il lui reste plus que deux, c'est bon. Pas mal. Ok, pas mal les bzaises. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, au corps à corps, moi je peux pas faire grand chose. Hein. Je vais pas pouvoir le tuer là au cac. Hein. Bah, tu parles du mec là-haut? Celui qui est devant moi là. En bas de la racine. Bah, dans ce cas-là, je le pète. Si tu veux. Ouais, mais t'as le mec devant toi aussi. Bah, ouais, mais on peut essayer de terminer celui-là, comme ça il nous fera plus chier, et puis voilà. Vas-y, je tape. Attends, je tape aussi. Yes, Simer. What? Attends, quoi? Tu l'as éclaté, ou critique. Attends, je veux juste comprendre là ce qui s'est passé parce que... Il lui restait 17. Ok, alors attends. Arnaud a utilisé attaque sournoise? Bah non. Mais t'avais pas vu peut-être? Bah ouais, mais j'ai fait une attaque normale. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu veux que je tue le mec qui est devant Will? J'ai pas compris. À l'arc? Ouais, je pense que ça peut être bien parce que... Will, attends. Ouais, okay. Voilà, comme ça. Bah voilà, parfait, parce que l'autre, j'avais 16% de chance de le tirer d'en haut, d'en bas, donc ça sert à rien. Et alors je vais lui... mettre une petite popo dans le cul. Alors lui, c'est un moine par contre. Donc
Ok, avec Carla, putain, avec Carla, je peux pas. Ah, fait chier, il est en l'air en plus. C'est trop loin là. Je vais me déplacer, hein. Je peux faire que ça. Voilà, et avec mon perso. C'est vraiment relou de pas avoir assez de trucs pour. Action bonus. Ah putain, mais t'es devant, je peux rien faire. Attends, attends. Avec qui? Carla, je peux me barrer, je peux me barrer. Tiens. Ah cool. Celui-là, je peux avancer. En fait, je peux avancer et je peux mettre. Je vais me mettre là. Il t'a pas vu? Non. Ah ouais. Ce qui serait cool, c'est que tu puisses le rapprocher de moi, même. Ouais. Vas-y, tape. Hein. Moi, j'ai encore. Donc, je peux rien faire, j'ai plus d'action. Ah, tu peux rien faire j'ai... Okay. Ouais. Bon, donc, j'ai tiré sur le mec dessus, en bas de chez toi. Attends, par contre, je veux juste voir un truc. Image miroir. Ah, ouais, il a 20 de classe d'armure. Ok. Ouais. Bon, du coup là tu lui as pété une. Ouais, bon bah. On passe et puis. Tombé. Il fuit. Ouais. Don't waste a step. Attends, je peux me. Ah, je peux me planquer. Je peux me cacher. Et je peux lui faire une attaque sournoise. Vas-y, vas-y. Okay. Et hop, ça dégage. Alors, parchemin du sommeil. Oui. Simple robe, note gribouillée, cristal gelé. Ouais, ramasser. Bâton de la merde. Et note gribouillée, lire. Attends, ces notes éparses semblent avoir griffonnées par quelqu'un de très troublé. Protecteur gardien de la forge d'Adamantium, issu du magma, qui seul pourra le détruire, brûlant, marteau. What? Ou une petite carte est dessinée en dessous, arborant de multiples croix. Les mots suivants sont griffonnés en dessous. Dourne, c'est. Ok. Et on a débloqué une quête. La forge. Ah, c'est ce qu'on avait déjà. D'Adamantium. Ah, y'a Mew qui. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Affiché sur la carte. Ah. Je veux Zeppo. C'est bon, ça ne l'affiche pas du tout sur la carte, c'est ça qui est cool. Tu es nerf. Si, c'est ça. Ça ne vous aide pas du tout. Qu'est-ce qu'on a ici? Attends, j'ai vu un. Il y avait un truc. Allez, pose-toi. Pose-toi. Sur ton coussin. Attends, parce que. Qu'est-ce que. Il y a un truc qui me gagne une barre de vie à chaque fois. Est-ce que c'est ça? Ah, c'est peut-être, ouais, d'accord. On peut monter là-haut. Et on se retrouve dans les arpes. Ah, il y a un TP là. Derrière toi, mec. Ah oui, je l'ai vu.
tout à l'heure. D'ailleurs, il y a une espèce de... de petite maison là, enfin pas de, une sorte de grotte quoi. C'est là où était l'autre con là qui nous a attaqué. En haut, ouais, c'est là où j'allais voir. Je sais pas ce qu'il y a là-haut. Je vois. Gnome à moitié dévoré. Parchemin en triste état. Yeah. Parchemin de conjuration inachevé, orné de marques de dents et de traces de salive séchée. Seuls quelques mots sont encore lisibles. Magma... Ok, d'accord. Poisson, bourse. Ah, là on revient en fait. Ok. Ok. On a clean la zone. On peut revenir. Donc je vais récupérer des... Ok, donc il n'y a plus rien à faire là quoi. Je rejoins. Et donc là sur la carte, on a... Ah non, la quête. La quête pour le mec de champignon, là, faut monter vers le nord en fait. Et nous, on a fait l'inverse. Bah là, on a clean en fait ici. Hein. Ça, on est tranquille. Bon, j'espère que le mec, il fallait pas, tu sais, faire un truc. L'aider ? Ouais. Bon, après, on pouvait pas savoir. Ouais, c'est ça. On nous a attaqué, on l'a tué. Et ouais, du coup, en fait, c'est ici qu'il faut qu'on aille. Faudrait qu'on se rejoigne là. Vas-y, je te suis. Je vois qu'il y a une liane. Je vois qu'il y a une liane. Ouais, on peut prendre une racine. Là, en bas, là, ouais, pour. Ouais. Ouais. Ah, oh, putain, attends. J'ai vu un ennemi. Ah non. Ok. Creux terrifiant. Ça y va un coup. Je vais me mettre une petite popo. Je vais la lancer. On peut peut-être se regrouper et puis je vais la lancer. Vas-y. Je remonte. Ah ouais. Vas-y, on se met là. Je vais dégrouper tout le monde pour... Alors attends. Hop. Je me mets ici. Ouais non, c'était bien comme t'as fait. Je vais prendre Will. Will, il se met là. Et là. Et je fais lancer. Ça. Ok. On a récupéré, on est pas mal. Nickel. Et ça, alors ça, j'ai vu aussi, on peut le faire en combat. Ouais. Quand par exemple, parce qu'en combat, les potions, c'est une action bonus. Mais jeter un objet, c'est une action normale. Donc si t'as plus ton action bonus, tu peux quand même te heal en jetant une fiole à tes pieds. Ouais, c'est pas mal. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est pas mal. Oh putain. Je vais une petite save avant. Ouais, ouais, vas-y. Il y a un... Je vois qu'il y a des mecs là. Enfin, il y a un mec en tout cas. Ah bah c'est lui qu'on doit sauver. Il a 4 PV le mec. Attends, parce que... On est d'accord que ça, dès qu'on va passer à côté, tout va éclater. Bah je sais pas. Je sais pas si on peut étudier... Examiner. Le feu. Ceux-là, on les a pas trop vus. Hein. Ouais. Attends, je vais voir. Mets-toi en sneaky, stop, peut-être. Stop. Ah. Ah. Non, c'est sûr. People Bang. You recognize the name, Bibba Bang, a mushroom that releases dangerous spores, highly flammable. Vous êtes dans une situation des plus délicates.
fait bien. I know that. Scroll. Escape. My bag, please. I've dropped it somewhere. Ah bah voilà. Yes. That sera plus simple. Bah, yes. On en avait un, pardon. Non, c'est le parchemin. Allez. Bah ouais, yes, test de force, parfait. 10. Ajouter les bonus, c'est-à-dire. Ah, je peux encore, j'ai des élixirs de force et tout. Non, mais ça va aller. Allez. Pouah, j'ai fait 23, bah voilà. Pas mal les sports de félicité là. T'es pas foutu de notre gueule, l'autre con. Ouais. Par contre, ça disparaît au prochain repos. Ouais, ça c'est relou. Ok. God, I can finally breathe. Ah, right. As what were you saying? Qu'a fait voicing? I was looking for Dereth. She's. Ah, c'est le mec de la vendeuse. Alors, c'est ça. Ouais, ouais. Need to go. For you, your trouble. Ta. For you. Oula. On dirait un peu Locke de Lost en un. Ouais, j'avoue, c'est clair. Alors, est-ce qu'il y a un truc à choper ici? Ou est-ce qu'on peut se casser? Je pense qu'on peut se casser. Ouais, j'ai l'impression est-ce qu'il y a rien. Est-ce qu'on ferait pas tout péter? Bon, vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Attends, je save et puis. Attends, je voudrais tester un truc. Je voudrais voir si en passant tranquillou. Non, 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 non. Ok. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, bon, je voulais juste voir comment ça marchait. Bah voilà. T'as tout fait péter. Y'a tout qui crame et tout. Énorme. Bah au moins on sait qu'on vraiment on peut pas du tout passer à côté quoi. Mm. C'est dit. Oh putain. C'est vu. Ah vu, je l'avais pas vu. Ok. Vas-y si on fait tout péter. Ah, ça repousse. Non. Je sais pas. Oh l'enfer. What? What? Bah, en fait, y a même pas besoin. Hein, tout en train de cramer. Ah. Ok. Et du coup, potentiellement, s'il y a des trucs qui pétaient, ben, s'il y avait des trucs à récupérer, ben, c'est mort, quoi. Tu penses que ça aurait tout cramé? Je sais pas. De toute façon, il y avait rien. Enfin, j'avais vite fait regarder avant. J'ai rien. Chapelet vu de saucisse sèche. Fromage d'eau profonde. Il y a des petites bougies. On fait quoi? On se casse? Sans branle. Bon, moi j'ai envie d'aller faire un petit tour pour voir. Vas-y, hein. Vas-y, bah va faire ton petit tour. Moi je vais me faire un café, je reviens. Ok. Alors, est-ce que la recherche fut fructueuse? Ah. Il y a un petit vent là d'un coup. Ouais. Non, je disais, est-ce que la recherche fut fructueuse? Bah ouais, il y avait les parchemins de l'autre con, du coup. Il y en avait deux, même. Ah bah écoute, t'as bien fait, alors. La bouffe et après des trucs d'alchimie. Hey, good looking. Pas trop ce que c'est. Oh, yeah.
Du coup, je sais pas si on va voir la grognasse, si elle va nous... La bonne femme, là, ouais. On peut... T'as regardé le journal de quête, si il faut aller la revoir? Non, mais de toute façon, on n'a plus rien à faire ici, donc on va forcément repasser devant elle. On va aller voir. J'ai l'impression. Elle est où? Elle est là, non? Ouais. Faut remonter dans le bled. Ouais, ouais, elle est là. Elle est pas loin. Ouais. Elle est en train d'engueuler son mari. The mushroom? I knew I was forgetting something. What? Sorry, love. Absolutely worthless. How long have you been down here? Think, Balin, think. Look at that. I suppose that's your doing. His hands are empty as a hole. We'll have to send him back out soon enough. Attends, mais c'est elle qui lui a demandé d'aller chercher des trucs. Mm. Bah, elle a longue gueule, elle est con, quoi. Bah ouais, je veux dire. On dirait que c'est l'amour vache. Please, Balin's got a job to do. We can leave when he's done it. Sympa. Bon, on la bute. Never heard of it. Balin's meek now, but he used to be a rotten old bastard. Treated me like an old shoe for 70 years. Losing his mind was the only good he ever did by me. Ah ouais, d'accord. Mm. Elle se venge un peu, quoi. Collecting noble stock. Valuable mushroom. We've a shop in Boulder's Gate. The locals go mad for it. Nearly nothing it can't cure. Blindness, poison, hair loss. Probably. But Balin in his right mind wasn't worth half a half of noble stock. I know him better than anyone. Got the scars to prove it. Ouais, d'accord, ok. Oh putain, on a reçu un truc. Gant de lâcher prise. Okay. Le porteur inflige 1 des 4 points de dégâts avec ses attaques de lancer et celles qu'il porte à l'aide d'armes improvisées. Ah, c'est genre les trucs qu'on lance et tout, quoi. Ok. Attends, du coup, je regarde si j'ai pas des trucs à vendre depuis tout à l'heure. C'est quoi ça? Métal gelé. Attends. No time to rest. Look at that. Come, I suppose his hands are empty as a hole. We'll have to send him back out soon enough. Alors, ce truc là déjà. Ça en vrai, je... Ouais, c'est dégueulasse. Bulbe à pointe. Ça, c'est pas mal. Hein. Ça, je peux garder quand même. C'est con parce que franchement, on a plein de trucs. Enfin, moi, perso, j'ai plein de trucs à jeter et tout. Et en fait, on n'utilise jamais ces trucs-là. Parle de quoi, pardon? Non, je dis juste que je vois que j'ai des trucs à jeter dans mon inventaire, genre des bulbes qui font des dégâts, des trucs comme ça, et en fait, on s'en sert jamais, quoi. Bah, en fait, faut regarder. J'ai checké là vite fait pour l'alchimie. En fait, t'as plein de trucs que tu peux, en gros, extraire. Ouais. Je vais te montrer après. Je finis juste mon dialogue là. En gros, t'as un truc qui s'appelle alchimie, je sais plus où c'est. Attends, je vais là-dedans. Ah, je sais pas comment on fait pour aller sur l'alchimie. Tac, tour par tour. Objet, non. Mec, j'ai une baguette de boule de feu, je sais pas si ça peut t'intéresser pour Will. Je viens de voir ça. Bah vas-y. Je te la donne, tu regardes. Ouais. Les dégâts ont l'air pas mal quoi. Entre 8 et 48. Ah ouais. C'est pour le corps à corps, donc je pense que ça peut être pas mal. Vas-y hein. Je peux pas l'équiper? Ah oui.
Non, je peux pas. J'ai l'impression que c'est un... Ah non, c'est usage unique en fait. C'est pas une arme. Ah d'accord. Bon bah tu en fais ce que t'en veux. Alors du coup, sauver le grand duc. Donc ça c'est, faut aller dans la tour. Livrer la tête. Ah oui, il y a ça, l'histoire de... Les bottes disparues. Leur propriétaire a sans doute toujours envie de les récupérer. Ouais, mais ça du coup on peut pas le faire parce qu'il est mort le proprio. Sauver les gnomes. Tout là, une gnome nous a demandé d'aider les siens. Il y a pas mal de coins qu'on n'a pas fait, genre... Ouais. Vers l'est, là. Pas putain, mal d'autres qu'on n'a pas vu. On a une quête à faire avec Astérion, mais bon, je t'avoue que j'ai pas trop envie de le faire. En bas, quoi. Ok, bah vas-y, hein. De toute façon, il nous reste quel endroit à visiter qu'on n'a pas checké. La zone de combat où il y avait les hommes champignons, là. Bon, je crois qu'on pouvait continuer au nord. Et il y a la barque, il y a la fameuse barque dont tu m'as parlé tout à l'heure. Bah en fait là je suis vraiment sur la map et en gros ouais. Prendre la map, prendre la l'espèce de barque, ça nous donne accès à la. Je survole le truc de quête, ça me met livrer la tête de Ner, donc en gros ça nous donne accès à ça. Retrouver les potes disparus, parler au sergent Srin. Et sauver les gnomes de Malforge, ouais. En fait, c'est prendre la barque. D'accord. Et sinon, bah, comme je te disais, à l'est, si tu regardes la map, tu verras qu'il y a un coin qu'on n'a pas trop visité. Donc on peut aller là. Pour, col de la... Visiter. Ouais. Voilà. Ouais, ok. Et en bas, attends, on a un truc salon de thé. Ok, d'accord. Ok. Mmh. Ça va, bébé? Qu'est-ce que t'as? Oh... Ok. Et du coup, bah vers la zone de combat, y a rien. Attends. Je vais juste y retourner pour voir. Il y a un passage par là. Et un passage à droite. Il y a deux passages. Est-ce que la map, ça nous indique quelque chose? Non. Ah, c'est peut-être pour rejoindre le côté là. Vas-y, je vais aller en face pour voir. Recette débloquée. Ok, pas mal. Test de nature. Oula. Let's get going. Il y a des champignons de merde là. One day I'll catch a break. Petite save. Longtemps. Oh! Oh, une épée légendaire plantée dans la pierre là! Ah ouais? Ah, putain, la vache! Falar à l'uve. Slender drow blade impales the stone before you, keeping a silent vigil. Religion, elle semble nimbé. Nimbé, nimbé, nimbé. Rituel adéquat. Bon, test de force, vas-y.
15. En plus, t'as tes sports de félicité. Allez. Ah, ma lebzès, putain. It feels like you're warring with 10 people for the blade, but with another hard yank. Allez. Your weapon slips free from the stone. Oh là là. Masamune. La lame Masamune. Ah, elle s'appelle comme ça? Non, non, c'est n'importe quoi. Toi, ça aurait été ouf. Alors, Falaralu, justice. 6 à 15 de dégâts. Enchantement plus 1, représentation, mélodie. Ok. Épée longue. Alors moi, j'ai 6 à 22 avec ma hache, donc ça ne m'intéresse pas trop. Mais du coup, je vais regarder... Je sais pas si avec mon perso je peux la prendre. 6 à 14. 5 à 17. Mon épée est mieux. Écoute. C'est de la merde en fait. Je peux te la filer à toi si tu veux. C'est quoi? C'est. Falar à l'uve. Épée, elle, c'est épée à deux mains déjà donc. Personne ah bah voilà. Et attends, c'est quoi protection de tir? Épée à deux mains, t'es sûr? Protège-moi. C'est épée à deux mains, ouais. C'est marqué en dessous. C'est épée de justice, hein, non, c'est ça? Non, 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 c'est pas ça, c'est celui qui est à droite. Falar ah, à l'uve, la bleue. Ah ouais, attends, vas-y, je regarde. Épée longue, polyvalente. Ah, peut-être pour mon perso, alors mm. Attends, je vais la choper. Et j'ai vu qu'il y avait un... Il y a un sort, un truc, la Falar Mélodie, là. Un truc pour les bardes, en fait. L'épée vibre de plaisir, ouais. Comme si elle se préparait à se mettre à chanter ou à crier. Bah, écoute. L'épée chante une mélodie, tous les alliés à moins de 6 mètres gagnent un bonus de plus 1 des 4 au jet d'attaque et au jet de sauvegarde de charisme. Ok. C'est pas mal. C'est une épée pour les bardes, en fait. L'épée hurle, tous les ennemis à moins de 6 mètres subissent un malus de moins 1 des 4 au jet de sauvegarde de charisme, de sagesse, d'intelligence. Oh attends, incroyable. Mais c'est ouf. Et du coup, je peux la grand remplacer avec... Bah, tu peux mettre... ouais, tu peux virer... Attends, la vache. Attends, et si je mets ça là? J'ai rapière plus ma grosse épée là. Ok. Attends, je vais regarder un truc sur mon personnage. Plus 1 à votre classe d'armure. Ah ouais. Attends, excuse, faut que je fasse des tests, j'essaie de comprendre un truc. Ah vas-y, putain vas-y. Ah ouais, c'est stylé. Attends, je vois. Vas-y, vas-y.
Ok. Alors. Tempête Ciaran. Oui, c'est le nom de la tempête. Eh putain, je suis en train de regarder dans ma fiche de personnage là. Mmh. Et je regarde un petit peu tous les traits, tous les passifs que j'ai. C'est assez intéressant en fait. Il y a pas mal de trucs. Je pense qu'on a pris, tu vois, quand on a monté de niveau. Et même qu'on a avec nos objets et... Ah ouais putain ça... Il y a pas mal de trucs que j'avais pas trop capté quoi. Ok. Enfin, piégeuse, faudrait que je le fasse plus souvent ça. Mais moi, il y a un truc que je capte pas trop. J'ai l'impression que c'est plus rentable parfois d'attaquer normalement. Ouais. Que faire les sorts ? Enfin, que faire des grosses attaques ? Non, que faire l'attaque sournoise. Peut-être que tout à l'heure, pendant un combat, je ferai une petite save et puis je ferai un test pour voir. Ouais. Ton attaque sournoise, c'est une action ? Ouais. Parce qu'en fait, tu peux... Moi, en tout cas, depuis que je suis passé niveau 5, je peux attaquer deux fois de suite en attaque normale. Ouais. Avec Karlak. Avec les deux persos. Ah ouais, tu peux attaquer ouais. Deux fois de suite. J'ai deux actions. Deux actions quoi. En fait, j'ai deux actions, mais que si je fais l'attaque basique d'attaquer quoi. Pas si je sélectionne une attaque spéciale en bas, ça marche pas. Bah, j'essaierai après alors. Donc, ok, ouais. Bon, bah vas-y. C'est pour ça qu'avec Karlak, je peux y aller comme un bœuf parce que bah je peux foutre deux coups de latte. Et après une action bonus en plus, tu vois. Donc. Ok, ouais. C'est pas ah, il y a un casque que t'as peut-être pas vu. Non. Will va le prendre parce qu'il y a de la place. Oh, c'est non. Un vieux casque. Je voulais le donner à votre con, là. Évidemment, je l'ai pris. Ah, merde. Plus 1 en constitution. Ouais. Il y a de l'huile, là. Vas-y. Une dague. Une petite dague. No joy. Alors attends que je capte où on est là parce que. Wow. Putain, y a des ruines. Ah, mais regarde où on est. Là, regarde où je suis. C'est la porte, tu sais, où on se faisait attaquer, là. L'espèce de grille. Ouais. Je peux tirer ouais. Ah, sur la statue. Bon. Attends, je vais essayer. Tu veux que je save ? Ouais, vas-y, je vais là.
Si on peut, ça peut nous permettre de loot l'ASM Minotaur là. Hope your soul is in good hands. Ok. Alors attends, il a plus les yeux lumineux le bordel. J'attaque l'autre. Ah non, ça lui a remis les yeux lumineux. Je teste. Putain, il avait rien sur lui, le gars. Ouais, non. Bon, bah tant pis. Ouais, je vais charger. Ouais, vas-y. Ok. Bon. Anything of use? Oh putain, il y a un Minotaur. Oula. Il y a vraiment un Minotaur là quoi. Niveau 4. Où ça? Là. Par là dans le coin là. Il est là. Ah oui, il est là. Oh. Ah ouais. Examiner. Alors, 14 de CA, donc ça va. 18 en force, donc ça doit faire mal. Attaque d'opportunité, musclé. Fais gaffe. Ouais. Non. Mais pourquoi mon perso a avancé? Il a avancé tout seul. Vas-y, attends, je charge. Surtout que je pense qu'on peut le prendre. Il y a un passage sur le côté, on peut peut-être le prendre en. En sandwich. On va faire ça. Ok. Another step forward. Attention. If you insist. Hop. All right. What now? Swift as my feet can carry me. Softer than a whisper. Okay. Okay. That's a friendly looking. Okay, j'ai l'impression que sa zone de vision s'arrête là. Ouais. Ah, ce serait cool de pouvoir monter sur le champignon là. Ou alors faudrait que je run ici, là, pendant qu'il est ici. Ouais, et moi il faudrait que je monte sur le champ là. Et je me mets en mode temps, tu vois. En mode tour par tour, et puis voilà. Wow. Ah ouais, putain. Ah, il monte, ouais, il monte sur le champignon. Ouais. Ah, attends. Tu peux faire une petite save là? Ouais. On essaye de se placer. On peut attendre qu'il aille dans le coin là. Ouais, non. Là il va venir vers nous. Non, c'est bon. Non, là il va venir vers nous, je pense. Voilà. Ok, et là maintenant il va là. Ah, il y en a un autre derrière. Ah, il y en a un autre au fond. Ah oui, d'accord, ok. 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 Alors attends. Je peux aller péter le mec derrière là. Parce que ici, là y'a rien. Enfin y'a pas de. Personne me verra. Ok. Bon, je vais monter sur le champignon. Est-ce que tu pourrais foutre Karlak Ouais, attends. Je mets deux coups dans la gueule à lui déjà. Raté, bon tant pis, c'est pas grave. Et Karlak, du coup je vais aller au contact avec l'autre. Attends, je vais faire une petite save. Et je vais l'attaquer, est-ce que... Donc là, il faut que je fasse une attaque normale. Mais en fait, attends, avec Karlak,
Ouais, vas-y. Parce que du coup, il va peut-être se retourner et moi, je pourrais du coup foncer vers lui et lui bosser le cul. Là. Ah ouais. Après, s'il se retourne pas... Ou alors, soit je viens avec toi, à côté de toi, soit j'attends un tour qu'il se retourne et après j'attaque. Ou alors je rentre en combat et balèque quoi. Ah et en fait ça a automatiquement mis attaque sournoise en fait. Parce que là en gros la barre... Là si je fais un pas de plus il me repère quoi. Ok, je fais le tour sinon, Je mets fin du tour, attends je peux peut-être déplacer Will. Ouais, il faudrait vraiment qu'il se retourne et là je peux lui courir dans le cul. Et... Bon. Tu peux peut-être venir en hauteur avec moi avec Will. Bah non parce que je vais me faire voir là. Ou alors... Ouais, je vais me faire voir direct. Mais mec, attends, tu sais quoi, je vais faire le tour. Je vais faire le tour comme ça je vais pouvoir l'attaquer direct dans le cul. Ah non, c'est mieux en tenaille, hein, je pense. C'est mieux en tenaille ? Ah ouais, je pense. Franchement, ouais. Attends, peut-être que je peux le faire tomber, le Minotaur, en vrai. En fait, faudrait juste qu'il se retourne, quoi. Attends, je peux tester un truc. Regarde. Wow oh c'est bon, ça c'est et là... Il s'en prend deux dans le cul, déjà. On l'a bien pété là. Et là, Will. Ah oui, t'es en combat avec Will. Ok, on est tous en combat. Je mets fin du tour. Vas-y. Et avec Arnaud, je mets fin du tour aussi. Ok, donc il y a lui par contre. Évidemment. Sauvegarde réussi, par contre je suis au cac. Ouais. Je vais me dégager, je pense. Ouais, tu te désengages ouais, et puis. Je vais essayer de me barrer. Ok, c'est une merde. Est-ce que tu lui bourres dedans avec Carlac? L'autre en bas, ouais. Je te laisse d'abord le faire et puis je vois ce que je fais avec mon voleur. Attends, mais en fait, tu sais que je peux lui tirer dessus avec mon archer, hein, celui qui est en bas là. Tu parles de celui qui est devant. Ah oui! Bah, en vrai, je pense que... Attends, parce que désengager, c'est une action. Ouais, du coup, si je tire dessus, ça va niquer mon action, je pense. Ouais, je pense que le mieux, c'est que Ouais, tu me désengages. Je me désengage. Et où est-ce que je vais aller, par contre? C'est ça, la question. Attends, j'ai une idée de génie. Je sais pas si ça va marcher, mais avec Will, je peux peut-être refaire le même truc que tout à l'heure. Ah non, j'en ai pour 55. Pourquoi 5... Ah attends, est-ce que tu peux lui foutre des dagues après, une fois que je me suis barré? Ah mais non, s'il saute, non, s'il saute, ça sert à rien. J'ai plus de points. C'est quoi? Je vais aller par là. Je vais redescendre par là. Ok. Je peux tenter un truc avec Will, mais c'est risqué. Ouais, on verra. Alors, en fait, si je fais sauter... Yes. Alors, carrelage, du coup, je vais taper. Ok. Okay. 65% déjà. Ok. Il lui reste 18 points de vie. Putain, fais gaffe, hein. Parce que là, si tu vas au contact... Oui. Oh. Ce coup légendaire. Ah, c'est incroyable. Oh putain, incroyable. Il est mort instant, quoi. Mais attends... En plus,
Je crois que j'ai eu un 55 points de dégâts de chute. Attends, c'était quoi cette attaque là? Bah c'est le sort décharge occulte qui est complètement pété. En fait, au niveau 5, j'ai pris un truc qui permet de créer une zone de, en gros, je le repousse quoi, tout simplement, à 4 ou 5 mètres, un truc du genre. Ah putain, c'est énorme. C'est énorme. GG mec. Du génie. Et du coup, tu peux le finir, mais non. Je peux aller le finir avec mon voleur. Finis-moi cet enculé. Oh. Ah, il lui reste 4 points. Ah, tant pis. Bah, voilà. Voilà. 9. Bon, ça va, c'est pas. I'll strike you down. Allez, hop. Parfait. Oh. Amulette des faibles. Confère une résistance 115 d'or. Dégâts tranchants. Inflige une vulnérabilité au. Ah ouais, d'accord. Tu résistes aux dégâts tranchants, mais t'es vulnérable aux dégâts contondants, quoi. Ouais, c'est situationnel, ça, en fait. Ouais. Tu la prends pas, du coup? Je le prends. Enfin, vas-y, prends-le. De toute façon, c'est juste pour l'avoir, quoi. C'est plus, je pense, c'est situationnel. Pour ouais. Carlar, ça peut être bien, de temps en temps, tu vois. Ouais, ouais. Je reviens, je vais pisser. Vas-y, vas-y. Et je save. Putain. Meilleur combat, quoi. Vraiment meilleur combat. Alors attention, pas trop aller par là. Parce que ça se trouve, il y en a un autre qui traîne. Attends, mais du coup, est-ce que... Par rapport à la zone de combat... Ok, c'était ici. Et il y a la zone en bas. D'accord, en fait, ça se rejoint, tout ça. Tout ça, c'est une seule et même zone. Et bah, il y a l'autre con qui est là. Vas-y, je vais aller le loot, hein. Je pense que là, après on peut remonter ici. Pas trop ce qu'il y a par là. On va aller un peu loot. Rien du tout. Oh là là, c'était un move légendaire, hein, franchement. Incroyable. Oseille, Agathe. Et crâne. C'est un crâne. Oh. Oh les Champlars. Attends, c'est quoi ça? Moticule de terre. Attends. Déjà. Hop. Ça dégage, s'il te plaît. Ces aimants de merde là. Re. Qu'est-ce qui se passe là? Rien, hein, je suis en train de péter les champignons. J'ai trouvé un monticule de terre. Monticule terre. Utiliser excavation. Ok, je suis en train de creuser. Oh, un coffre. Merde. Coffre en bouée. Alors, des dagues, des parchemins de vision. Détection des pensées. Toxine et huile de précision. Bon, je vais prendre. Je vais prendre un peu des. Les champlars et tout, on ramasse pas. Je vais les ramasser un peu pour voir ce qu'on peut. Faire après en alchimie. Oula, mine à déflagration. Je peux la désamorcer si tu veux. Vas-y. Hein. Ah putain, Will quoi, le goat. C'était incroyable, hein, franchement, ce combat légendaire. je crois qu'on a même pas pris un dégât. Enfin, si, il y a Karlak qui a pris un dégât. Ouais, Karlak, elle a tenté. Allez, 28. Ça sert à rien, mais j'ai trouvé ça joli. Voilà. Perception là. Ratée. Ouais. Ok, désamorcé. D'accord, il y en a partout, quoi. Ouah ! Le vin naturel. Ça sert à rien, mais... Le vin naturel, quoi.
Where to? Ok. Perception. Oh là, il y en a partout. Je me barre. Ah ah ah. Un. Dommage. Est-ce qu'on peut pas lui tirer dessus à distance? Oh merde. Ah, je me suis pris 8 de dégâts. C'est pas grave. C'est pas grave. Attends, je vais peut-être te lancer une petite popo comme tout à l'heure, non? Je sais pas. Ouais. Attends, je regarde vite fait. Franchement. Alright. What now? Busy times. Maybe later. T'en as encore beaucoup des potions? Ouais, j'en ai quelques-unes. Attends, je fais le truc. Merde, lancer. Je vais faire ça pour pas que ça foire. Ouais, lancer. Popo. Moi j'ai pas récupéré par contre. Tant pis. C'est pas grave. Ah bon? Bon, t'es à 36 sur 30. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ouais, non, non, non. 38. Non, moi j'ai pas pris, tu vois. Dans le log de trucs, c'est Will, Sid et Carlac. Sinon. Du coup ici, bah, je sais pas trop ce qu'il y a. Putain, il y a Bélanger qui est là dimanche soir. Oh, ah, trop bien. La Bélange. What's cooking? Bélangin. Bélanger le Bélangin. Ça. Putain, mardi soir là, j'étais du coup chez Marc, il a fait une petite soirée pour Halloween. Ouais. Et il y avait Rico avec sa meuf, son gosse et sa daronne. Ah ouais. Ouais. Alors, en vrai trop cool hein, la daronne, mais ouais. J'étais à what une daronne, bref. Et la meuf de Marc, à un moment, elle fait ouais. Je sais pas, il parlait de TikTok, de YouTube, je sais pas quoi. Ouais. Et elle dit ah, t'as jamais vu. En parlant à la mère de Rico, t'as jamais vu poulet et tout. J'étais là. Mais... What? Oh non. Et mec, elle a foutu poulet sur l'écran. Oh non. Oh le malaise. Bah en vrai, je m'en foutais. Je me dis de toute façon, j'assume sur ma chaîne. Oh, bah, cool, tu vois. Mais bon, genre même Marc il a fait bon, tu pourrais éviter de le mettre sur l'écran, tu vois. Mais bon, c'était rigolo quoi, ça nous a fait marrer. Mais tu sais que des fois. Mais vraiment sans me demander rien, hein. Genre elle a dit ah, mais attends, tu connais. Ça, ouais. Tranquille. Sache qu'on a la coloc de Jérém. Ouais, mais je sais pas si tu vois qui c'est Jérém. Si, mais, je vois qui c'est. Mais en fait, un soir, je sais plus qui, je crois que c'est Bélanger, a montré tous les poulets. Tous les trois. Et elle était là en mode mais vous êtes fou. Bon, rigolant hein. Ouais. Évidemment, mais enfin voilà. Après c'est vrai que je suis bien ravagé quand même. Oh, il y a plein de trucs là. Tiens, je vais essayer de projeter cette merde. Douce. Il y a une bouteille d'alcool qui s'appelle Douceur du Souzaï. Arbalète légère, de la merde. C'est Will qui va prendre. Oh, y a plein de cristaux, de machin. Les provisions pour le quin. Huile de diminution. Ok, non, je pensais que c'était un truc pour devenir petit. Mais non.
rien à voir, c'est un truc pour enduire l'arme. Oh! Qu'est-ce qui se passe ici? Bah déjà, on est passé par un truc où... visiblement, c'était protégé par des mines et tout, donc... ça a l'air de puer un peu du cul, quand même. Tac, tac, tac. Non, pas du tout. Whisky de la sirène. Vas-y, on prend, hein. Oh putain. 4 outils de voleur. Incroyable. Ah bah attends, j'en ai chopé des outils de voleur. Bon, t'inquiète, hein, j'ai ce qu'il faut. Huile de pyromane. Donc, je m'en sers pas, donc j'en ai rien à foutre. Moi j'en ai rien. Nardo. Toxine simple. Ah putain, on peut enduire nos armes et tout. Ah putain, faut qu'on pense à faire ça. Il y a plein de trucs qu'on fait pas. Ouais, bah ouais. On peut faire tellement de trucs en même temps. On joue tradi, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Tu sais, c'est comme dans les Souls, tu vois, je suis full épée. Alors que t'as des milliards d'items à la con, tu sais. Après, quand ça va être dur et tout, faudra juste y penser, quoi. On aura un bon stock, quoi. C'est ça qu'il faut se dire. Bon, attends. Save. J'arrête pas de save. Il y a un truc à ouvrir, un coffre rustique, là. Là, je vais l'ouvrir avec... perso. Il y a un ascenseur, au fond, j'ai l'impression. Ouais, un monte charge. Allez, hop. Alors, lingots. Oui, putain, des lingots, ça a l'air de valoir cher, ça. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y a des trucs de craft et tout. Il y a des outils de crochetage, là, dans la caisse en bois devant moi. Après, tu sais, tu peux les donner, tu peux faire clic droit et envoyer à... Ah ouais, direct. Ouais, ouais, tu peux faire ça. Et pareil, tu peux directement les marquer pour la vente et tout. T'as eu encore un coffre. À ouvrir. Ouais. Perception réussie. Attends, quoi? Cet endroit est piégé. Désamorcer, on va désamorcer avant. Save. Encore un coffre. 15. J'ai plus 9 quand même. Incroyable, les lolos. C'est bon. C'est désamorcé. Crocheté. Ouais, c'est bon. Ok. Parchemin de communication avec les morses. Putain, y'en a pas mal, hein. Gagner 7 points de vie temporaire. Ok. Coffre rustique encore, putain, la vache. Bombe à poudre à canon. Jet de force. Bah, je t'envoie à toi, Carlac. Lance une fiole qui explose à l'impact. Peu grégeois. Ok. C'est quoi ton truc avec Will que t'as, Bénédiction des Ténèbres? T'as eu ça où? Bah je sais pas, je ne sais rien, mec. Je sais pas si c'est parce que c'est un occultiste ou si parce qu'il est... Ouais. Comment dire... Ouais, il a fait un pacte là avec une entité ou je sais pas quoi, je sais pas. Mais c'est... Ouais, je l'ai vu tout à l'heure, je me suis dit, ah, je sais pas ce que c'est. Attends, je vais regarder. Point de vie temporaire, donc ça, ouais, je connais. Modificateur de charisme, ouais. Je sais pas. On peut rien faire avec ça. On peut pas prendre le monte charge? Non. Ça dit quoi? Je ne peux pas m'en servir pour le moment. Torche.
Ok. Ok, bah du coup faut qu'on reparte. Du coup on a tout clean ici. Ouais. Oh, c'est marrant. Oh, c'est marrant. On l'avait fouillé le Minotaure en bas, ouais. Ouais, je l'ai fouillé quand t'es parti pisser. Et le coffre en bois aussi. Je crois qu'il avait rien sur lui. T'as fait un petit check en bas, quoi. Bon. Là, du coup, ça on a fait, quoi. Il faut qu'on aille. Ah bah, la barque, du coup. Go la barque. J'ai l'impression. Ah ouais, putain, c'est marrant. Le truc où on était là, c'est le truc qui nous permet d'atteindre le col de la montagne. Le truc où on était. Ah, le mont de charge. En haut, là, le mont de charge, ouais. Mais du coup, on peut pas l'utiliser. Bah, du coup, on se TP à la plage et puis on prend le bateau, du coup. C'est vrai qu'on peut se TP, ouais. C'est ça. Allons-y. Moi, je dis aux Français, allons-y. Ah, par contre, je ne suis pas du tout TP, c'est ça qui est pas mal. Putain, on a encore un court repos. En stock. On va y penser au prochain tour. Ouais. Sachant que moi avec Will, j'aimais. Est-ce que je peux récupérer des points de. Ouais, mes emplacements de sorts d'occultistes, ils sont vides. Il faudrait que je fasse un court repos pour recharger. Je pense que on peut se démerder sans. Et puis prochain combat, si on prend des dégâts, on fait un court repos. Comme ça, je récupère quoi. Ouais, ok, ça marche. Ça serait cool d'avoir un item qui permet de faire ça, mais... Ok. Et bah je vais save devant le truc et puis on prend, hein. Vas-y. Ok. Tac. Une fois, bah, vous vous rendrez à l'autre côté. Souhaitez-vous vraiment le faire? Oui. Bah de toute façon oui c'est le... Là du coup on se barre vraiment de cette zone quoi. J'ai l'impression hein. Particulier le bateau quand même. C'est un projet quoi. Oula. Oh putain, c'est qui ces cons quoi. Oh, ah, c'est les connards là. Ouais. Tiefling. What are you doing on Gek's raft? Ça sent le combat. Sur le bateau. Where's Gek? Who are you? Je cherche le sergent Trin, je crois qu'elle aimerait beaucoup récupérer ses bottes. Vous allez me laisser passer, ordre de l'absolu. J'ai peur que Gek ait péri sous les coups des Myconides. Tu peux le pousser dans l'eau. Tendre votre esprit vers le parasite du Duergar. Attaquer, pousser. Ah ouais, mais athlétisme, je suis nul. Ah ouais? Ah merde, dommage. Ouais. Moins 1 dû à la force. Tu peux le voir ça envie. Ah oui, quand tu survoles. Je peux faire tromperie. Vas-y, je vais tenter tromperie, je suis un... Bah ouais, mais non, non, non. Pourquoi? Parce que, ça, en gros, ça va incriminer les hommes champignons, si tu fais tromperie. Bah, de toute façon, on va les éclater, les mecs. Bah, sauf si du coup, ils nous disent « Ah, ok », et qu'ils vont éclater les hommes champignons en se barrant. Au pire, je le charge, mais vas-y, tant pis. De toute façon, je peux plus annuler, là. Bah, ouais. C'est bon. Damn. The sergeant will be pissed about her boots. On va tous vous buter, les gars. Come on. Let's get you to shore. You're the one telling the sergeant what happened. The rest of you, keep patrolling. I'll be heading back with this one.
You continue forward in silence until the lights of a camp twinkle through the mist. Je sais pas si c'est bien ce qu'on a fait. Ouais, j'avoue. Hein. De toute façon, ça va finir qu'on va sûrement tous devoir les éclater. Mm. J'en mets les patates au fond du jeu. Génie lui. What? You shithead! Time you showed up! We got trouble! Spit it out! Sergeant finally choked on true soul Nier's prick! Drugno! Ah, c'est elle, Nier! Néré, là. Mm. Vas-y, faut qu'on les bute maintenant. That's the trouble. He's got the gold on him. Sergeant's arm is falling off with all the gnome slaves she's been. Vous êtes qui vous? Who's the whom, Greyman? Another slave for the deed. Non mais vas-y, je vais les éclater. Je suis une âme éveillée, vous me devez le respect. Je suis là pour voir le sergent, j'ai ses bottes. On m'a demandé de faire mon rapport au sergent. Vous avez des esclaves ici? Je ne fais que passer. Vas-y, je vais la prendre de haut direct, là. That's so. I... Oh! Ok. I'll be... You ain't shitting. Felt the tingle. Your twat's old chum owes us a load of coin. You want through? Oui, oui, bien sûr. Bah, va bien te faire taper dans le cul. Attends. Bien sûr, bien voilà, sûr. Voilà, Carla qui dégaine, allez. Vous n'aurez pas un sou. Pétez un coup pour vous détendre, je vous fais marcher. Connasse. But I'm warning you. That twat's old ain't settled up soon. There'll be hell to pay for the lot of. Mec, chaud de les attaquer direct. Bah, je sais pas si on peut, vrai. Mais si on peut, vas-y. Hein. De toute façon, il nous faut sa tête. Hein. Donc, Oh, attends, je passe en mode tour par tour. Ah, tu veux vraiment... Okay. Tu veux les bosser là, quoi. Alors, faut... Ah bah... Faut... Il y a des cochons... Je me mets derrière elle. Et je lui fous une dague dans le cul. Attends, je vais me... Attends. Elle est où? Je la vois même pas. Ah, elle est là. Ok. Ah non, c'est Morgal. C'est pas Reine. Ah, bah non. Bah... il a pas dit le nom tout à l'heure? J'ai cru voir Néré ou Ner, là. En vrai, j'ai envie de les éclater, hein. Bah vas-y hein, moi je te suis. Je save. Ah, attends, parce que du coup avec la recherche je vais essayer de me mettre... Ouais, ça je peux me foutre. C'est tellement con. T'es ready? Bah ouais hein. Ok. Bon bah là... T'as vu toute l'équipe qui est en haut quand même? Attends, je peux encore attaquer. Je peux attaquer le mec au-dessus, à la limite. Ou sinon je réattaque Morgal là.
Moi, je pense que je peux la buter avec Karlak. Ouais. Bah, je vais attaquer le gars là qui est de dos. Vas-y. Let's gong. Voilà. Déjà. Ah merde. Il reste que le connard en bas. Ouais. Et c'est tout. Je vais faire un truc. Attends, je vais me mettre là. Non, je vais reculer. Tu m'as mis 7 dans la gueule, je crois. Mais non. Si. Non. Bah, je sais pas, j'ai vu 7 au-dessus de ma tête. Non, c'est. Regarde dans le log, c'est le mec là qui a chopé. Il a pris 10 plus 7. Ouais, le problème, c'est que j'ai le truc de fin de tour qui est devant le log, donc je peux pas lire. Mais ok. Oh putain, c'est mal fait ça. Ok, fin de tour. Fin de tour. Surpris. Voilà. Je l'attaque par derrière. Ok. Ah. Il y a Will qui me parle, qui me dit « Nerf, la MV est coincée derrière un éboulis, n'est-ce pas ? Pardonnez-moi, je ne suis pas pressé de la sortir de là. » De quoi ? Qui c'est qui a un éboulis ? Je n'ai pas compris. Nerf. La meuf, là. Enfin, la personne. Ok, d'accord. On va pas la sortir de là, en fait. On va buter tout le monde. Je sais pas où elle est, moi. Oh, le nain, il a trop de trucs, là. Il a un arc... Plus 1. Il a un brise-crâne. Ouais, c'est pas ouf. Une hache. De roi. Une épée à deux mains. Ouais. Bon, de toute façon, au pire, ça se revend toute cette merde. Let's march. Hey. Mais là, je pense que. Dès qu'on va avancer, on va se faire attaquer. Non ouais, mais on va y aller tranquille. Il y a un truc qui s'appelle couteau de roi. Alors attends, c'est quoi ? Grossièrement, presque entièrement rouillée et extrêmement tranchante. Mais c'est quoi son délire ? 0,9 points de dégâts. Ok. Très bien. Ah, il y a des gens, on voit un peu ce qui se passe là-haut. Ok. Ah, il y a un TP là. On est. Ah, bah mec, attends, avant qu'on progresse, j'aimerais bien faire un petit test, voir en fait si maintenant, si on retourne chez les champignons là. Ouais. Est-ce qu'il nous attaque ? Vas-y. Hein. Vas-y, j'y retourne. Ça a l'air d'aller. Je vais parler au souverain là. Bon, c'est bon. Tout va bien. Ok. Bah parfait. Il y a un nain là, il vient de passer, il s'en bat les couilles. Où est-ce qu'on est là ?
Tréfonds obscur, Malforge. Malforge, ok. J'arrive. Ok. Ah, ils nous attaquent pas ? Non. Ah bah ouais, ils ont pas vu en fait. Ouais, je crois bien. Hein. Mais attends, mec, ça veut dire qu'on peut les péter dans le dos ? Eh mais attends, mais c'est très très bon ça. C'est très très bon ça. Gods. All these. Tu vas aller là. Someone's trying to send a message. On attend que... j'attends qu'ils se mettent de dos et je l'éclate. Faut juste vérifier qu'il n'y a pas d'autres gens à proximité. Alors il y a des mecs au fond. Moi je suis en bas là. Il y a un mec en bas là. Attends. Il y a des araignées. Ouais. Et il y a un mec. Ouais. Alors lui, on peut peut-être le péter discretos. Là, il y a deux mecs ici, mais je pense qu'ils sont assez loin, ils nous verront pas. Et en haut, là. Ah, par contre, en haut, il y en a trois. Attends, je vais me mettre là, je vais attendre qu'il soit de dos. Je vais attendre qu'il vienne, qu'il soit de dos. Un petit F5, tac. Ok. Et là. Very well. Attends, il te parle ? Seuls les gardes ont le droit de faire une chose pareille. Celui-ci semble décidé à vous le démontrer. Faire appel à votre bagou pour tenter de vous tirer de ce mauvais pas. Attaquer. Est-ce que toi tu peux l'attaquer ? Ouais. Ah yes. Je pense, attends. Ah mais même avec Will je peux l'attaquer en fait. Ah, il y a les araignées. Merde. Merde, il y a les araignées. Ah, je suis con, j'aurais dû faire une zone de d'épines sur les araignées. Bah attends, je peux peut-être faire un truc. Ah, je sais ce que je vais faire, gars. Je vais lancer un truc. Je peux finir le petit, hein. Ouais, bah finis le petit, moi je vais lancer... genre un feu grélois, tu vois. Ah bah non, en fait, je peux pas parce que Carlac, elle est pas... C'est pas mon tour, en fait. Est-ce que tu peux encore attaquer avec... Non, j'ai attaqué trois fois déjà. Parce que j'ai peur qu'il donne l'alerte en fait. Bah bute-le, c'est pas grave, les araignées elles donneront pas l'alerte au pire. Ouais mais... Bute-le et après bouge. Elles vont toutes nous attaquer quoi. Bah de toute façon on va les éclater hein. Ok, niveau 1, bon, bah, je le bute alors. Ok. Ah. Là tu bouges. Ok. Oula. Ouais, là c'est pas ouf. Pas ouf les bzaises. Oh, ok. Ok. Bon, j'ai pris quand même bien cher dans la gueule. Bah attends, je vais faire un court repos. Yes. Comme ça, en plus, Will, il va récupérer un peu... Oseille, fortifiant... Flèche acide. Hop. Oh mec, c'est trop bien qu'on puisse faire ça. C'est clair. Ça déchire. Mal métallique. Ouais, y'a trop de trucs là. Enfin, y'a de la thune et tout, incroyable. J'ai plein de flèches spéciales, il faudrait vraiment que je... Faut que je m'en serve de toute cette merde.
Ok. Il y a rien là. Alors, il y a d'autres gars par là. Là, il y en a trois en haut. Et il y en a deux en contrebas un peu plus loin. Je pense que le mieux, c'est vraiment d'aller éclater ces merdes là-haut. Hey, stick shit. It's skick pit, you piss pot. Ah putain, ils sont en train de faire chier un esclave. On va derrière eux et puis on les baise. Ouais. Ça va les gars? Attends, non. Lequel qui a le plus de vie? Je me mets à côté vers lui là. Attends. Ok. Et Will, on va te mettre là. Comme ça, tu vas pouvoir pousser l'autre. Ah ouais. Save. Tour par tour. Ah, c'est trop bien. Ah, d'accord, ok. Il m'a vu. Tant pis. Du coup je vais attaquer l'autre. Tu m'as vu, j'essaie de me planquer. Sometimes the only way out is through. Ça dégage. Ouais, je... Ah, raté. Ah, merde. Je peux peut-être essayer de le pousser, mais t'es devant. Ouais, je peux pas bouger, c'est pas mon tour. Vas-y, bah, je fais rien. Oh, le bâtard. Ah, merde, il est où? Faut faire une zone de dague. Peut-être là. En haut des escaliers. Non. Chier. Ah, t'aurais dû peut-être le mettre un peu plus au milieu des escaliers, comme ça, s'il veut se barrer, il est obligé de passer dedans, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Tant pis. Fin du tour. Parce que ouais, là, peut-être il va se barrer, sonner l'alerte. Hein. Ouais. Oh putain, sérieux. Là. On peut pas savoir où il est. Got it. Faut espérer qu'il attaque un de nous. Ouais. Nothing important is ever easy. Have to keep going. Ah, attends. Ok. Ouais, malheureusement, si je fais ça, ça va éclater tout le monde. Je peux mettre une zone de ronce en bas de l'escalier. Mais bon. Le problème, c'est qu'on pourra pas bouger, quoi. C'est pas grave, ça se tente. De toute façon, tu peux enlever ta concentration. Au pire, comme ça, il est bloqué. Ok. Je pense que ça se tente. Hein. C'est gigantesque, par contre. Ok. Ça a vraiment fait toute la zone. Ouais, bah écoute, c'est pas grave. Hein. L'idée, c'est de le bloquer, donc... Critique. Ah, il t'a attaqué. Ok. Ah, il est là, c'est terminé pour lui. Oh, bâtard.
Ah, dans les épines. Merde. Oh, le bâtard. Ok. Toi, mon gars. Wow. 32 dans la gueule. Putain. Okay. Oui, bon, bah là, voilà. Et alors, Will. Ah, chemin interrompu, je peux pas l'avoir. Parce que tout le monde est devant. Tu te décales un peu. Je vais essayer de me décaler. Et toi, mais... à côté du clodo, là. Sakaburine. Bon, de toute façon, tour d'après, je l'éclate, hein. Ouais, non, je peux pas. Bon, vas-y, fin du tour et puis tu l'éclates. Vas-y. Voilà. Mais non, il va dans les dacs, ce con. Attends, je vais... Attends, je vais l'enlever avec... Ah, c'est bon, je vais l'enlever. Prenez le monte-charge pour la surface. Moi, je vais dire trouver un endroit où vous cacher et puis. Ouais. Ce petit kiki là. Ouais. Ce petit bonhomme. C'est à moi de voter ? Ou pas ? Ah, c'est. Ah, mais non, mais je suis con. J'ai Will. J'ai voté à ma propre réponse. Est-ce que tu peux annuler ton. Je sais pas. Attends, je suis dans la cinématique là. Ok. Non, putain. Je sais pas, mec. Je crois que je peux pas, hein. Si, tu peux. En fait, sous ton perso, normalement, t'as un truc, tu peux cliquer sur croix pour. Ah oui. Bon, bah, il est mort. C'est con. Ah, il est mort. Bah, oui. Bah, au pire, on reload, hein, c'est pas grave. Attends, il avait des trucs sur lui ou pas? De la bière. Ok. Vas-y, on va reload. Vas-y, vas-y. Bah, ça m'arrange parce que ça me prend des emplacements de sorts, du coup. Bon. Non, attends, il y reste. Alors, là. Donc du coup, faut focus le petit là. Ouais, bah je me mets derrière lui. Oh, I could go for a good meal. Ok. Bah, j'attaque, hein. Vas-y. Après, j'imagine que le gros aussi peut attaquer. Instant kill. Ok. Fin du tour pour Arnaud. Ouais, bah il est mort. Ça. Raté. T'es sérieux, fils de pute. Putain. Y'a encore Karlak, non? Qui peut taper. Non, 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 elle peut pas taper. Ah putain, j'espère qu'il va pas. Ah, je l'ai poussé. Ah yes. Tiens, ouais, je... Ah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a attaqué. Attaqué. Putain, fils de pute, quoi. Ok. Oh putain, chemin interrompu. Casse les couilles, lui. Ah voilà le travail. Ah il est tombé, voilà. Du coup tu l'as éjecté. Ouais. Lui, du coup, c'est Todd. Lui du coup il est content. Ok, toxine de vivre. Elle vibre à 500 celle-là. Ah bah au moins. Mec, je vais devoir pas tarder, moi, à bouger en vrai.
En fait, j'ai rendez-vous d'ici 18h et quelques. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller zigouiller les mecs là, qui sont au fond. Ouais. Et puis voilà. Hein. Moi ça me va. Ok. Attends, je regarde juste si je peux les attaquer de là où je suis. Oh, t'es peut-être un peu loin, non? Je sais pas, on va regarder. Ah, de... pas grand chose. Je peux niquer celui de gauche. Je peux tirer sur celui de gauche. Hmm. Ouais, je peux attaquer celui de dos. Ok. T'as un bon pourcentage de chance. 81%. Je vais tenter, hein. Je vais tenter, par contre, attends. Ils sont en train de jeter des... Ils sont horribles, en fait. Ils sont en train de taper, les mecs. Des cadavres. Still breathing, despite everything. You ain't been the same since that rock slide. Ain't been the same. I still got scamming the monster. Quoi? Il s'est pris 20 points dans la gueule. Bah, je l'ai attaqué. Oh, mais t'as attaqué. Ah, il vient vers moi du coup. Ah bah oui. Moi je vais le, démonter. Ok, bon on va péter l'autre. Hein. Ressources insuffisantes? Pourquoi? What? What? Hein? Et attends, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Bah, je sais pas. Attends. J'aurais bien aimé que le attends arrive plus vite. Non, mais j'ai vraiment. J'ai pensé vraiment au dernier moment, quoi. Ah bah, t'inquiète, hein. Pas grave, hein. J'adore. Avec Will. Il lui reste 16 points de vie à lui. Voilà. Putain, mais elle met son attaque. Best be on my way. Je sais pas si c'est top ce qu'on fait là, mais. En tout cas, c'est rigolo. Moi, pour moi, c'est des connards, donc je suis content. Content de les péter. They deserve better than they got. May they rest in peace. Oh, bizarre, des livres, là. Porte en fer. Ok. Là, il y a un truc qui va te plaire, je pense. Quoi? Je te l'envoie. J'ai envoyé à Arnaud un... Oh putain, un c'est anneau. Le truc d'invisibilité, là? Ouais. Ça, pour toi, ça va être parfait. Ouh. Ouh, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Là, on va bien rigoler, aïe, 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 aïe. Je pense. Ah, je pense que là, on va s'en payer une bonne tranche, là. Mon avis, Cursed to put my hands on everything. Pas mal.
pas mal. Attends, est-ce que... Attends, je vais save un coup. Est-ce que je peux... On peut pas regarder du coup le gnome des profondeurs là. Ah ouais, bah du coup, ouais. Ouais, c'est trop, il avait un truc sympa, mais... Je sais pas si j'ai loot celui qui était là-bas, du coup. Ouais. Bah non, c'était... Mais non, je l'avais pas loot. Bon, tout ça, ça va être la revente. Hein. Ok. Bon, du coup, quand l'on repos? Ton café. Bah, en fait, non. En vrai, j'ai l'impression qu'on est bien là. Un court repos. Moi, je ferais pas un long repos. Non, même, bah, on en a pu. En fait, moi, je dirais, on se claque une potion. Je vais te dire pourquoi c'est. Je pense que c'est cool, c'est que Karlar, elle a. Ah oui, c'est vrai. Elle a le bonus là. Mmh. Et en fait, ça va disparaître au prochain long repos. C'est pas faux. Idéalement, faut qu'on garde ça le plus longtemps possible, quoi. Et sachant que pour l'instant, oui, il n'a pas utilisé ses sorts et tout... Ok, ouais, non, mais t'as raison. Ouais, bah par contre, on peut éclater une potion... Ouais, moi j'ai besoin... J'en ai 5, moi. Vas-y, je vais mettre Arnaud là. T'as qu'à mettre Karlar à côté. Enfin, en fait, mets tes persos à côté, puis je vais prendre Will, qui est full. Et c'est lui qui va jeter la potion. C'est bon comme ça? Bah si tu peux pas plus, on va essayer comme ça, ouais. Je save. Lancer. Potion. Attends, hop. Allez, là. Nickel. Yes. Il y a eu un raté, mais je sais pas trop. Ouais, je sais pas non plus quoi. Ok, ça devrait faire le taf, à mon avis. Provision. Tac. Ok. Bon, bah on va pouvoir s'arrêter là. And... Ouais. Attends, y a pas mal de provisions là, je les prends vite fait. Toujours ça de prix. Et là on a un fût, mais on verra plus tard. Vas-y, c'est bon. Coolos. Bon, et bah écoute, je save. Et du coup, bah, je te tiens au jus si je rentre pas trop tard et que je suis chaud. Ça marche. Moi, je sais pas encore ce que je fais. Donc je te tiens au courant si jamais je fais un truc aussi. Ok. Ouais, ça marche. Ça roule. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Des bisous et on se retrouve très vite pour la suite. Ciao.